soit 375 000 euros. À 375 now on the left side. À 375 000 euros, c'est contre vous, Dominique. À 375 000 euros. 375 000 euros, c'est contre vous, Dominique Lanchère. Tout en haut. Par vous, Guillaume, à 375 000 euros, à 375 000 euros, et que dit-on, Dominique ? À 375 000 euros, à 375 000 euros, l'enchère est à gauche, à 375 000, à 370, 380, 380,000 bid now, à 400 000 euros, à 400,000 bid my bid, à 400 000 euros, c'est contre vous, Dominique, à 400 000 euros, à 400 000 euros, rien d'autre, à 400 000, à 400 000 euros, 420, c'est tout en haut. 450. Où est votre enchère, Guillaume ? En haut ? En bas. 450. 450 now against you. 500 ? 475. 475. À 475 000 euros, mon enchère tout en haut. Pas d'erreur. À 475 000 euros. À 475 000 euros, mon enchère tout en haut. À 500. 550. 553. Où est votre enchère, Laura ? 500. 525. 525 my bid. À 525 000 euros, mon enchère. À 525 000 euros, et vous êtes plusieurs. À 525 000. 525 000, mon enchère. 550. Five, allez, c'est reparti. 575 my bid. C'est reparti pour la dernière ligne droite de ces ventes. 600 000 euros pour la sœur de Beauty Parlor. Elle est gagnante, cette fille de peintre célèbre. Elle s'appelle Larne Stone. À 625 000 euros. Elle est présentée par la famille Wildenstein. À 650 now. 700. Yes, this time. 700,000 bid. Entre-temps, on a adjugé à 170 000 euros le lot 199, une fille de Manduro et sœur de Manigard. Et à 90 000 euros, Carnoustie pour Anthony Stroud. À 720 000 euros. Try one more. À 725 000 euros. Merci, monsieur. À 725 000 euros. Votre enchère, Guillaume. Fini, Laura. À 725 000 euros. Guillaume, votre enchère. À 725 000 euros. Pas de regret nulle part. À 7... Alors, dans l'affaire Altérité, il y a eu un dénouement heureux puisque. Guillaume, votre enchère. Le puisque c'est Narvik International donc qui a acheté Altérité pour 1 100 000 euros, donc Mrs. Thing, cette jument est pleine de l'Oman. 725 000 euros pour la sœur de Best. Beauty Parlor qui va signer. Elle est gagnante de l'Easter et pleine de l'Oman. Pierre-Yves Bureau. Le 2 ans chez Pierre-Yves Bureau exactement pour la pour Vertemer et frères. 20 000 euros. C'est le deuxième achat de Pierre-Yves Bureau aujourd'hui. 10 000 euros. Le compte de Vertemer et frères. À Saint-Léonard en France. 3 000. Après avoir acheté Abyss déjà pour 450 000 euros. À 3 000 euros, mettez vos enchères. À 3 000 euros, elle est pleine de l'Oman, elle est gagnante de l'Easted. 3 000 euros, sœur de Black Type, 3 000. 3 000 euros, merci. À 3 000 euros en face. À 3 000 euros, en face, l'enchère rien à droite. À 3 000 euros, à 3 000 euros, l'enchère 3 000. À 3 000 euros, 5 000. 5 000 euros, 5 000. 5 000 euros, 5 000. 5 000 euros, 10 000. À 10 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 000 euros, l'enchère 10 000. À 10 000 euros, gagnant de l'Easted pleine de l'Oman. À 10 000. À 10 000 euros, l'enchère 10 000. À 10 000 euros, 10 000. À 10 000 euros, 15 000. 15 000 euros, 15 000. 15 000 euros, 15 000. 15 000 euros, 15 000. À 15 000 euros, l'enchère 15 000. 15 000 euros. 15 000 à 15 000 euros, c'est contre vous, 17 000. 17 000 euros à 17 000 euros, c'est contre vous, à droite à 17 000. À 17 000 euros, l'enchère en face à 17 000. À 17 000 euros, 20 000. 20 000 euros à 20 000. À 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 20 000 euros, 22. À 20 000 euros. À 20 000 euros que l'enchère de 20 000. À 20 000 euros à 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 20 000. À 20 000 euros against you. À 20 000 euros. Against you, sir. À 20 000 euros. À 20 000 euros, selling on the right side now. À 20 000 euros. À 20 000 euros que dit-il à 20 000. À 20 000 euros à 20 000. À 20 000 euros à 20 000. À 20 000 euros à 20 000. À 20 000 euros, gonna sell this time. À 20 000 euros, l'enchère à droite à 20 000. À 20 000 euros, 22 000. 22 000 euros, 22 000. 22 000, 22 000. 22 000, 22 000. À 22 000 euros, c'est contre vous à droite à 22 000. À 22 000 euros. À 22 000 euros, 25 000. 25 000 euros. Où est votre enchère ? En haut, l'enchère. À 25 000 euros, contre vous à la barrière. À 25 000 euros. À 25 000 euros, l'enchère en haut. À 25 000. 26 000. 26 000 euros, c'est vu. À 26 000 euros. À 26 000 euros, que dit-il au téléphone ? À 26 000 euros. À 26 000 euros. À 26 000 euros, refaites-moi si monsieur, 26 000. À 26 000 euros. À 26 000 euros, l'enchère à gauche à 26 000. À 26 000 euros, fini à droite. À 26 000 euros, vous étiez deux à 26 000. À 26 000 euros, 28 000. 28 000 euros. À 28 000 euros, 30, monsieur. 28 000 euros désormais pour le lot 203, puisque le président étant absent. C'est la toute bonne Rex Regina, une fille de King's Best et pleine de l'Oman.
La toute bonne Rex Regina avait gagné Listel, c'était à la test, puis la Sorilena. Son premier produit est une femelle de 2-3 ans, une fille d'Invincible Spirit. Que dit-on, monsieur, au téléphone ? À 32 000 euros, c'est contre vous, et vous la perdez à 32 000. Le 2 ans compte actuellement plusieurs sorties et plusieurs places. C'est un fils de Chamardal. Il n'a pas eu de produit en cette année, en 2014. Il est essayé donc par Loman cette année, en 2015. Elle est présentée par Jet Burkstead. Alec Wo. À 35 000 euros, fini, messieurs. À 35 000 euros, 37. À 35 000 euros, plein de Loman, gagnant de Listed. À 35 000 euros, Marie, votre enchère, fini à droite. À 35 000 euros, fini au téléphone. À 35 000 euros, on a dû. 35 000 euros. Marie, votre enchère. Le numéro 204 est présenté par Aga Khan Studs. Bekara, jument baie par Chris et Beera, pleine de Declaration of War, dont les premiers produits seront fall en 2015. Et c'est la mère de Bekabad, le grand gagnant du Grand Prix de Paris. Et nous un groupe 1, la mère de Behecht également. La toute bonne jument Bekara. Et la mère de Behechtam. La mère de Behechtam. Un quatrième du prix Bekara, du Jockey Club. Deuxième du prix Behecht. Du Niel également. Bekara, pleine de Declaration of War. Sont à l'entraînement chez Alain de Royer Dupré. Elle a 2 ans, d'accord. Une fille de Dancilet est à l'entraînement chez Declaration of War. Alain de Royer Dupré. Place et de groupe depuis l'apparition du catalogue. Entraîneur de Behechtam et de Behecht. Et Bekabad était entraîné par JCR. Jean-Claude Rouget. Toute bonne sûr. Jument ici. 50 000 euros, mon enchère, c'est prêt à 50 000. À 50 000 euros, mon enchère, 50 000. À 50 000 euros, 50 000, 80 000. À 80 000 euros, Kenai Dijasmina. Première poulinière pleine de Declaration of War qui passe ici sur le ring. Et elle est présentée par Zaga Constant, bien sûr. À 100 000 euros, mon enchère. À 100 000 euros, c'est mon enchère. Poulinière née en 2000. À 100 000 euros, c'est mon enchère. À 100 000 euros, mon enchère, 100 000. Elle était elle-même très bonne en course. Elle avait gagné le prix Hubert de Chaudenay, le Saint-Léger français, donc à l'âge de 2-3 ans, fin d'année à Longchamp. Le week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Puis elle s'est placée également à deux reprises dans le prix Royal Oak, deuxième et troisième de ce groupe 1. Pour Steyr en fin d'année. À 400 000 euros, c'est mon enchère contre vous, Marie, à 450 000 euros, top class mère. 450 000 euros, à 450 000 euros, 500 000 bid now. 500 000, 50, 50, 550 000 mon enchère, à 550 000 euros, c'est mon enchère contre vous à gauche, à 550 000 euros, à 550 000 euros qui coule enchère de 550 000, 600 000. 600 000 bid now. À 600 000 euros. À 600 000 euros. 600 000 euros. À 600 000 euros. À 600 000 euros. Que l'enchère à 600 000. Alors, un nouveau top ? Pour l'interrogation. À 600 000 euros. 650 000 euros, à 650 000 euros. À 650 000 euros, nouvel enchérisseur. À 650 000 euros, c'est Estelle, votre enchère. It's against you on the right side. À 650 000 euros. À 650 000 euros, Estelle, votre enchère. 700 ? À 650, it's against you. À 650 now. À 650 now, c'est l'Estelle enchère à 650 000. À 650 000 euros, et que dit-on à droite à 650 000 ? À 650 000 euros, against you. Quite sure. À 650 000 euros, Estelle, votre enchère en face. À 650 000 euros. À 650 000 euros, et c'est Estelle fini ? 675, it's against you. À 675. 675 000 euros. 700, sir? 700, yes. 700. À 700 000 euros. À 700 000 euros, il a dit oui. It's against you. On the right side, we're selling straight across on the phone. À 700 000 euros. À 700 000 euros, c'est votre enchère en face, 700 000. Alors, souvenir, qui est ce monsieur au chapeau avec la casquette qui actuellement l'enchère. Quite sure, no regret. À 700 000 euros, l'enchère en face. Gonna sell this time. À 700 000 euros. On a juge. Hugo Lasselle, 700 000 euros. Estelle, votre enchère, thank you. Ah, je le reconnaissais. Le numéro 205 est présenté de nom, par Hugo Lasselle. Assignment Limited. Namera, une pouliche à l'entraînement par Hugo Lasselle, donc pour, qui a acheté pour 700 000 euros. Donc, Bekara. Gagnant de Listed, placé de groupe. C'est la famille de Nouvelle Reine, Nouvelle Fortune, Nyanga, Nouvelle Noblesse.
Ah, combien de butons? 10 000 euros qui vont chercher à 10 000 euros. Allez, on change de registre de prix. À 10 000 euros contre 700 000 tout à l'heure. Mais il en faut pour toutes les bourses, évidemment. Une seule enchère, les gagnantes de l'Istad de cette année même. Et passer de groupe 3 également, effectivement. En Allemagne, c'est une fille d'Ariane. Avec une, 12 000 euros. À 12 000 euros, bienvenue à une mère qui compte une victoire. À 15 000 euros, l'enchère est en face à 15 000. Cette Namera solo 205 est également la sœur de Nadjinska. La propre sœur de Nadjinska qui s'est placée cette année deuxième de l'Istad à Merano, donc en Italie. La famille N allemande, enfin une des familles N allemandes, celle de Nouvelle Fortune. Troisième du prix de Diane allemand. Celle de Nouvelle Reine également. Nouvelle Reine, c'est la troisième mère. Celle de Nyanga. Troisième du Winterkönigin et gagnante de l'Istad. Et de Novita également. Et Nouvelle Noblesse pour terminer. Pour ne citer que, plutôt. C'est Castlebridge Consignment qui nous présente. Donc cette fille d'Ariane qui est âgée de 5 ans. Elle avait gagné, sachez-le, sa liste de Bayerisches Fliegerpreis. C'était à Munich cette année, la liste de sur 1300 mètres. En petite fille de Big Shuffle. Big Shuffle, c'était un sprinter déjà, qui a produit sprinter également. À 32 000 euros, c'est qu'on revient à 32 000. À 32 000 euros, à 32 000 euros, que dit-on, Guillaume, à 32 000. À 32 000 euros, l'enchère d'en face, 32 000. À 32 000 euros, 35 000. À 35 000 euros, it's against you. 40 has been now. À 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est qu'on revient à 40 000. À 40 000 euros, 40 has been now, it's against you, sir. 40 has been now. À 40 000 euros, l'enchère d'en face, 40 000. À 40 000 euros. Sachez que le suivant est une demi-sœur de Daydream, exceptionnel Daydream, gagné de près de l'arc, évidemment, de triomphe. À 45 000 euros, à 45 000 euros, we're gonna sell this time. Philippe Guillaume, à 45 000 euros, Vladimir, votre enchère, à 45 000 euros. On la juge, 45 000 euros, Vladimir, votre enchère. Le numéro 206 est présenté par le Hara d'Etrehan. Ignis Way, jument bay par Goldaway et Dan Drop. Elle est pleine de Master Craftsman. Et notez que sa propre sœur, la 3 ans débutante, s'est classée 3e du prix tantième, Listed. Ah, et Listed, depuis l'apparition du catalogue, un update important. Goldaway. C'est débutante, c'est qui s'est placée de Listed, donc la propre sœur de Ignis Way. Ignis Way, c'est le numéro 206, qui est présenté par le Hara d'Etrehan. Pleine de Master Craftsman, ça y est pour la première fois également. Et c'est une fille de Goldaway et de Daydrop. Daydrop qui a produit Daydream évidemment. La fille de Lomitas, énorme championne, Daydream, double gagnante du Grand Prix de Baden-Baden, gagnante du Prix de l'Arc de Triomphe en 2011. À 30 000 euros, sœur de Daydream. À 30 000 euros, 30 000 euros, 50 000. À 50 000 euros, 50 000 euros, c'est Bernard qui dit l'enchère à 50 000. 50 000 euros, 60 000 en face. À 60 000 euros, l'enchère est en face, 60 000. À 60 000 euros, que veut l'enchère à 60 000. À 60 000 euros, 60 000 euros, 80 000. À 80 000 euros, Bernard, votre enchère. À 80 000 euros, que veut l'enchère à 80 000. À 80 000 euros, la sœur de Daydream, la sœur de débutant. À 80 000 euros, 100 000. Putain, ça sort bien quand même. 100 000 euros, l'enchère d'en face, 100 000. À 100 000 euros, c'est votre enchère Estelle à 100 000. À 100 000 euros, c'est contre vous, Bernard, à 100 000. À 100 000 euros, 120 000. À 120 000 euros, c'est Bernard l'enchère. À 120 000 euros, que l'enchère à 120 000. À 120 000 euros, sœur de Daydream, c'est à 120 000. À 120 000 euros, que l'enchère à 120 000. À 120 000 euros. 120 000 euros, à 120 000 euros, que l'on cherche à 120 000, à 120 000 euros, c'est toujours... 120 000 euros donc pour la sœur de Daydream, et la sœur de débutante également. Daydream, à 120 000 euros, à 120 000 euros, à sœur de... Daydream est toujours en Europe, hein, elle est toujours à New South Park Stud. Elle a eu un foule de franquets cette année. 140, oui, c'est votre enchère, Bernard. À 140 000 euros. À 140 000 euros, Bernard, votre enchère à 140 000. À 140 000 euros, qui enchère à 140 000. À 140 000 euros, à sœur de... Daydream,
la sœur de débutante à 140 000 euros. Dernière fois, à 140 000 euros, Bernard, votre enchère, à 140 000 euros, fini à gauche, à 140 000 euros, va la juger, à 140 000 euros, merci, à 140 000 euros. On a le juge, 140 000, Bernard, votre enchère. Le numéro 207 est présenté par Aga Khan Studs, Nazmiya, une femelle bête de 3 ans, par Oli Roman Emperor et Narmina. Nazmiya compte 2 sorties supplémentaires et est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Fille d'Oli Roman Emperor et la sœur de Narnine, la sœur de Narnine. Ici, la famille de Maiden Tower, Beg Like Pavidium, a comme un but ici. Merci au Haras du Lion, le Haras du Lion. Home of Stallions, like Balco, like Marescasson, like Sunday Break, and so have. À 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros, 5 000. À 5 000 euros, plus fort, s'il vous plaît, à 5 000. À 5 000 euros, c'est l'air à l'enchère. 10 000 euros à gauche. À 10 000 euros, l'enchère à gauche, à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à gauche. Les AK-15 nous présentent désormais Nazmiya, la sœur de Narnine, cette fille de Dubaoui. À 12 000 euros, 15 000. Gagnante du prix de Flores, c'était l'an dernier. 20 000 euros, 25 000. Cette année, elle a gagné la coupe. Et elle s'est passée de groupe 1, deuxième des Nassau Stakes, quatrième du Grand Prix de Saint-Cloud et quatrième du prix Jean Romanet. Suivi d'Oli Roman Empereur et de Narnia, la mère est par Alart. Puis-je sortant de l'entraînement. Elle compte 2 places en 2 sorties à 3 ans. À Saint-Cloud et à Compiègne. 35 000, 35 000 euros, j'ai à gauche, à 35 000 euros, à 35 000 euros, rien à droite, à 35 000 euros, à 35 000 euros, mettez 40, à 35 000, à 35 000 euros, à 35 000 euros, que dit-on, 35 000 euros, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, c'est ça, on va trancher à 40 000, à 40 000 euros, c'est contre vouloir à 40 000, à 40 000 euros, c'est plus vous Bernard, à 40 000, à 40 000 euros, c'est ça, on va trancher à 40 000, à 40 000 euros, à 40 000 euros, 45. Try 50, à 45 000 euros, à 45 000 euros, lovely pedigree here, à 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, à 50 000 euros, c'est contre vous à gauche, 50 000, à 50 000 euros, c'est Sarah va trancher à 50 000, à 50 000 euros pour la fille d'Oli Roman Emperor, 52, 51, 51, à 51 000 euros si vous voulez, à 51 000 euros, que dit le second, à 51 000 euros, à 51 000 euros, que dit le second, Sarah, vous étiez deux. 52, à 52 000, à 52 000 euros, à 52 000 euros, je laisse faire à 52 000, à 52 000 euros, l'enchère tout à droite, à 52 000, à 52 000 euros, fini monsieur, à 52 000 euros, l'enchère à droite, à 52 000 euros, dernière fois, à 52 000 euros, merci, à 52 000 monsieur euros, monsieur au téléphone Sarah, qui bat actuellement, on juge. 52 000 euros, Sarah, votre enchère, et qui l'a eu et qui a battu Hervé Bunel et Nicolas Clément. Hometown, jument bay par Storming Home et Nazoo, elle est pleine de Reader's Choice. Signs of la famille de Signs of Blessing ici, la famille de Sunray Superstar de Nadia, de Flawless Lee. Elle est gagnante à 2 ans, cette fille de Storming Home. Et elle est pleine de Reader's Choice. Donc gagnante à 2 ans, pleine de Reader's Choice, la famille de Nadia. Ah, comme débutant, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 20 000 euros, 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros, que l'on cherche à 10 000, 10 000, à 10 000 euros, que l'on cherche à 10 000. Hometown, désormais, Hometown, de Storming Home, et qui est pleine de Reader's Choice, elle est déjà produite heureuse, et heureusement, elle n'a pas gagné, c'est heureuse. À 12 000 euros, que l'on cherche à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, 15 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 000. Je le fais moi-même là. Le son. On va faire remarcher le clavier magique dans un instant. On va un peu s'amuser pour finir cette première journée.
enchères. Marie à 30 000, 35 000, 35 000, 35 000, à 35 000 euros. 35 000 euros qui coupe l'enchère à 35 000, à 35 000 euros. À 35 000 euros, c'est qu'on revient en face à 35 000, à 35 000 euros. À 35 000 euros, c'est qui coupe l'enchère à 35 000, 40 000, 40 000 euros, Marie va l'enchère à 40 000, à 40 000 euros. À 40 000 euros, elle est pleine de Reader's Choice, elle est gagnante à 2 ans, 45 000, à 45 000 euros. À 45 000 euros, c'est toujours contre vous, Marie, à 45 000, 50 000, 50 000, 50 000, à 50 000, 50 000, à 50 000 euros, c'est contre vous qui gagnez à 50 000, à 50 000 euros, elle est pleine de Reader's Choice, 55 000. 55 000 euros, c'est qui donne cher à 55 000. À 55 000 euros, c'est contre vous, Marie, à 55 000. À 55 000 euros, à 55 000 euros, Marie, essayez encore à 55 000. Jésus revient parmi les tiens. Effectivement, il fonctionne, le clavier magique. À 60 000 euros, à 60 000 euros, que vous gérez à 60 000. 65 000. 65 000, à 65 000, donc pour la première peine de Reader's Choice, le 208 qui est présenté par l'écurie des Monceaux. Oui, on se chauffe un peu puisque ce soir on va danser. JRV, votre partenaire santé. On va aussi surtout manger et boire 80, un petit peu. 75, 80, à 75 000 euros, c'est pas un peu qu'on va vous guérir à 75 000. À 75 000 euros, Reader's Choice. Parce que sinon, demain matin, je vous rappelle que demain matin, on reprend l'antenne dès 10h du matin pour au moins 10h de vente, toujours en direct sur France Tire, avec vos serviteurs dévoués. À 77 000 euros, merci. Arnaud Poirier, Loïc Fécher. Dernière fois, à 77 000 euros, Guillaume, votre enchère à 77 000. 77 000 euros pour la sœur de Nadia. Le raid du prix Saint-Alary. Fait présenter par The Castle Bridge Consignment Limited. Nocturne, jument B par Rock of Gibraltar et Neil. Cette jument est pleine de Maxios, dont les premiers produits seront full en 2015. Fille de Rock of Gibraltar, la sœur de Nymphéa. La famille de Night of Magic, Next Desert, Next Gina, elle est gagnante et elle est vendue pleine de Maxios. Pleine de Maxios ici. Ah, comme débutant, 20 000 euros pour débuter bas, à 20 000 euros, que l'on cherche à 20 000, 10 000, 10 000 euros pour débuter très bas, à 10 000 euros, que l'on cherche à 10 000, Maxios, un étalon qui n'est pas encore partenaire de Francien, mais ça pourra le devenir dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, c'est Chimad et Triomphe, place à Chimad et Triomphe. On a balade et descente, je parle plus tout italien, je suis absolument nul. Je vais prendre ma voix française, ça ira mieux, pour vous parler de Chima des Triomphes, ce fils de Galiléo avec une mère par Daniel, gagnant de groupe 1, gagnant classique, il avait gagné le derby d'Italie, donc à l'âge de 3 ans, et il a fait ses grands débuts d'étalon au Haras du Téné, il y est toujours, il fait la manteau en Afrique, en Amérique du Sud, en Argentine, où il saillit depuis qu'il y est, depuis deux saisons, et effectue sa troisième saison maintenant là-bas. Bah, il y est toujours, il va revenir en France dans les prochains jours tout simplement. Et en Argentine, il a saillé une moyenne de 97 juments par saison de montre. Très bon plébiscité ce Chima des Triomphes. À 130 000 euros, l'enchère assise au téléphone. À 130 000 euros. À 130 000 euros, qui coûte l'enchère à 130 000. À 130 000 euros, elle est pleine de Maxios. À 130 000 euros, l'enchère au téléphone à 130 000. À 130 000 euros, c'est Maxios pour ainsi dire. Luc, je suis ton père. Quoi ? Quoi ? Mon père s'appelle Maxios ? Non, je serais fier d'avoir un père qui s'appelle Maxios. Qui s'appelle Maxios, pardon. Maxios, un grand champion sur les pistes. À 135 000 euros. Champion sur les pistes. Raisonnable. Il a tout de même époustouflé bon nombre d'observateurs quand il avait gagné de façon extrêmement brillante le prix du moulin de Longchamp, Maxios. 160 monsieur. 145, à 145 000 euros, à 145 000 euros, mais 150, monsieur, à 145 000 euros, 150, oui, à 150 000 euros, à 150 000 euros, c'est contre vous maintenant, à gauche, 150 000 euros, à 150 000 euros, l'enchère, à droite, assise, à 150 000 euros, fini à gauche, à 150 000 euros, merci, à 150 000 euros, l'enchère au téléphone, fini à gauche, à 150 000 euros, merci, à 150 000 euros. Pour la juge, c'est Alan Cooper, 150 000 euros, Vladimir, votre enchère. Merci. Alan Cooper. Nous passons au numéro 200. Qui a acheté la sœur de Nymphéa, gagnante de groupe 1. Nymphéa, fille de Dylan Thomas. Alors Nymphéa était entraînée par Peter Schirgen.
Et lorsqu'elle avait gagné le groupe 1 Gros Surprise Von Berlin, elle était montée par son fils, Denis Schirgen. Sachez-le, vous serez interrogé dès demain sur cette question. 1 million d'euros. Très belle famille, 30 000 pour débuter, voulez-vous 30 000 ? 30 000 euros qui offre 30 000 pour débuter, allons-y, mettez vos enchères, 30 000, 30 000 qui offre 30 000. 30 000 au restaurant l'enchère à 30 000, à 30 000 euros qui couvre l'enchère de 30 000, à 30 000 euros. Alors le 210 était une wildcard, elle n'avait pas été prise. 35 000, toujours au restaurant, 40 000, pas au restaurant l'enchère à 40, 50, 50, 60. C'est Vertemer et frères qui nous présente une fille de Mutatir et de Sahel. 60 000 Guillaume l'enchère à 60. L'origine de Samba Brasil, qui a été racheté à 1 500 000 euros. Voilà, bon. 80 000, et Intimir est une demi-sœur de Sortilège. Fille de Tiger Hill, lauréate de groupe 1. Guillaume toujours. En Italie, lauréate également du Grand Prix de la région Alsace. Et Intimir est également une autre sœur de Socia. Socia, une fille de Chamardal. À 90 000, c'est pas vous, à 90 000, à 90 000, à 90 000. Toute petite pouliche, hein, cette Intimir. 100 000, Guillaume, 100 000, une 4 ans gagnante de 2 courses, c'est la sœur de Sortilège. Néanmoins, avec ce physique peu flatteur, dirons-nous, elle a tout de même réussi à gagner 2 courses, le prix de l'Unalix à Saint-Cloud, et l'important prix de la Chapelle à Longchamp, en débutant d'ailleurs le prix de la Chapelle. Plus vous, 130 000, à 130 000, le prix de la Chapelle, je disais, est une... est une course pour débutante. À 135 000, 140 voulez-vous, à 135 000, l'enchère est en face, à 135 000, à 135 000, à 140, 140 000, 140 000, 140 000, 150, 150, 150, non, 145, 145 000, 145 000, 150, 150, 150, 150 000, 150 000, plus là-haut, à 150 000, à 150 000, pas là-haut l'enchère, à 150 000, à 150 000, à 150 000, la sœur de Sortilège, gagnante de 2 courses, superbe famille maternelle, à 150 000 euros nous sommes. 150 000 euros, un million de francs, fini Guillaume, à 150 000, grosso modo. À 150 000, rien au-dessus de 150 000, c'est bien vu. À 150 000 euros, rien au-dessus de 150 000. Pour une future poulinière. À 150 000 euros, fini. À 150 000, et 160, 160 000, 160 000. À 160 000, c'est Marie. À 160 000, à 160 000, à 160 000, à 160 000, plus vous, monsieur. À 165 000, 165 000, 165 000. À 165 000, plus vous, Marie l'enchère. À 165 000, à 165 000, 10, voulez-vous. À 165 000, vous la perdez. À 165 000, à 165 000, 170, voulez-vous. 170. Alors, en attendant l'adjudication finale, parlons de Literato, le père d'altérité. Altérité, évidemment, l'actuel top price de cette première journée d'élevage, donc. Altérité, qui est une fille de Literato, qui fait la monte, bien sûr. Aurait deviné au Haras de la Roboursière. Bonne famille maternelle pour cette jeune jument. Où il a commencé à faire la monte. C'est là, au Haras de la Roboursière, où il a conçu Literato. Où il a conçu Altérité, plutôt. Et Literato fera la monte à 3 000 euros hors taxe, la SAI, poulain vivant, bien sûr. Et surtout, cette année, Altérité avait connu une superbe année avec ses 2 ans. Génération à suivre, donc pour l'an prochain, la génération des 3 ans d'Altérité en 2015. Donc, Intimir a finalement été adjugé 165 000 euros. À 20 000 maintenant, à 20 000 euros. Fille marchande sable, désormais, une propre sœur de Sirène d'Oloise. Excellente Sirène d'Oloise, gagnante du prix d'Aumale. Et elle est pleine de Théophilo, et présentée par le Rat Bernesque. À 25 000, voulez-vous. À 25 000 l'enchère par Alexandra, à 25 000, 30 000, voulez-vous. À 25 000 l'enchère est là, à 25 000, 30 000, à 35 000, plus beau téléphone, à 35 000. À 35 000, l'enchère par Alexandra, à 35 000, 40 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, 45
45 000. Alors sachez que dans la partie en coulisses, on a une seconde interview. C'est l'interview de Anne Adrion qui a vendu tout à l'heure Summer Surprise, une fille de Le Havre gagnante de l'Istud au Lyon d'Angers pour 420 000 euros. L'interview d'Anne Adrion est disponible dans la partie en coulisses aux côtés de celle de Mathieu Gouenard du Haras d'Ombreville qui a vendu en début de journée deux foals pour 150 000 euros et 155 000 euros également. À 70 000, c'est Alexandra à 70 000, à 70 000 euros. Là, vous l'avez vu, c'est pas du tout une foal qu'on vend, c'est une poulinière. Tout à l'heure d'ailleurs, on aura un foal le lot suivant. Radio-Logis Saint-Germain qui vous présentera un foal d'Excelebration. 90 000, 100 000, Bernard, à 90 000 euros, à 90 000 euros, qui est couvert en de 90 000, à 90 000 euros, chancher à 90 000 par Alexandra, et on va être jugé à 90 000, c'est bien vu, rien au-dessus de 90 000 pour la jument pleine de Théophilo, on peut être jugé à 90 000, un juge, 90 000 Alexandra. Le numéro 213 est présenté par le haras du logis Saint-Germain, un poulain bai né le 9 janvier en Irlande, assimilable au Nelvé. Allez, c'est parti. 90 000 euros pour une poulinière pleine de Théophilo, donc. Physics Celebration, la mère par Galiléo. Le voilà, le Fistex Celebration, gagnant deux groupes, hein, avec une mère par Galiléo et une grand-mère par Indian Ridge. 20 000, voulez-vous 20 000 pour le qui est né très tôt dans la saison, le 9 janvier 2014. Il est né en Irlande, mais assimilable en France. Avant de continuer sur le papier de solo 213, permettez-moi de saluer Martio, l'arrivée de Martio sur le Grand Direct France Cire lors de cette première journée de vente Arcana. Martio sera, comme cette année, proposé pour la CI chez Raphaël et Frédéric de Touillon, le père de Now Weekend, entre autres, puisqu'il a également produit avec Aki une toute bonne poulinière qui est désormais justement poulinière et pleine. Elle est au ras du Vieux des Champs, cette fille de Martio. Elle est née en Allemagne, évidemment, à Martio. Il perd 4 gagnants Black Type. Si vous cliquez sur l'image de Martio, les deux photos plutôt de Martio, vous allez atterrir à grande vitesse, même à très grande vitesse, sur sa page étalon plutôt. Martio pourrait naviguer, il était proposé à 2000 euros la saillie cette année, Martio seulement. À 70 000, le Physic Celebration à 70 000. À 70 000, qui court en jeu de 70 000. À 70 000 euros. À 70 000 euros, qui court en jeu de 70 000. À 70 000, c'est bien vu. Enchère parlera à 70 000. À 70 000, qui court en jeu de 70 000. On va juger le Physic Celebration à 70 000. À 70 000 euros. Enchère ici à gauche. À 70 000, fini en haut. Fini Bernard, fini Camille. À 70 000 euros, on va juger à 70 000. Pas juge, 70 000 Laura. Le numéro 214 est absent. Nous passons au numéro 215, présenté par le haras d'Ombreville pour Gestud Wittekinshof. Nina Sters, une femelle alsane de 3 ans, par Tertullian et Nina Célèbre. Et cette pouliche est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante à 2 ans. Elle est placée de Listed Race plusieurs fois. Combien offre-t-on pour cette fille de Tertullian? 30 000, 20 000 qui offre 20 000 pour débuter. Allons-y, 20 000 gagnante et placée de Listed à 20 000, à 10 000 euros qui offre 10 000 pour début. 10 000 Bernard, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros qui court en jeu de 10 000. À 10 000 euros l'enchère, 12, 15, Laura, pas vous Jean-Jacques, 15 000, 20 000, Camille, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20
20 000, 25 000, Bernard, 25 000, 25 000, 25 000, à 25 000, 25 000, 25 000, pas vous Jean-Jacques, à 25 000, à 25 000, à 25 000, qui court en chef, 25 000, 30 000, 30 000, 30 000, elle est gagnante, elle est placée de listed, à 30 000, nous sommes, à 30 000, à 30 000, à 30 000, 35 000, Bernard, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000 pour une... Puis de 3 ans qui est placé de listed en Allemagne. On reparle des pédigrés allemands. Une nouvelle fois avec ce lot 215 femelle Alzane de Tertullian, fils de Miswaki, de Turben, un petit fils d'Allegretta, donc de la famille d'Urbansi, Anna Bablo, Tamayoz, Galileo, assez varié. Et présenté par le Radon Breville. 60 000, pas vous Bernard, à 65, 5, 5, 65, 65 000, à 65 000, 65 000, 65 000, à 65 000, à droite l'enchère à 65 000, à 65 000, à 65 000. Mathieu Gouenard qui a vendu déjà tout à l'heure. Deux foules, notamment l'un à 150 000 euros, l'autre à 65 000 euros. 70 000, Fresh Bidder, à 70 000. Et la femme de Mathieu Gouenard, Solène, s'est retirée pour qui est d'habitude spotteuse, qui est l'assistante de Bernard. Bernard Salva s'est retiré pour suivre le déroulement de la vente de cette fille de Tertullian. Elle s'appelle Nina Terz, pardon. La mère est également gagnante de Listed. La deuxième mère est une gagnante du prix de Diane allemand. Elle s'appelle Next Gina. Famille de Next, la sœur même de Next Desert. Tenez-vous bien, la mère, la troisième mère de ce lot 300. Elle s'appelle Night Petticoat. Est une lauréate du prix de Tian allemand. Deuxième du Saint-Léger allemand. Dodo était groupe 2 encore à l'époque. D'ailleurs, le Saint-Léger allemand n'a jamais été groupe 1. Quoi qu'il en soit, cette Night Petticoat, elle est la mère de Next Desert, lauréate du derby allemand, et de Next Gina, une gagnante du prix de Tian allemand. Donc c'est cette Night Petticoat, elle en sorte la poulinière allemande qui ressemblerait à la mère de Latisse et de Loman, tous les deux vainqueurs de classiques en France, Jockey Club et Prix de Tienne. Le numéro 216 est présenté par le Haras d'Ombreville pour Gestüt Wittekindschauf, une femelle bay. La même équipe donc. Le 16 avril par Rideau's Choice et Nina's Rainbow. Nina's Rainbow qui est une fille de Rainbow Quest, qui est sœur de Nina Célèbre, gagnante de Listed. La mère est gagnante, une fille de Redoute Choice, combien offre-t-on ? La même équipe et le même pédigré. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, qui offre 20 000. Juste le père et la mère qui changent. Elle est née en Allemagne, cette femelle. 10 000, voulez-vous 10 000, 10 000, qui offre 20 000. Par Redoute Choice. Pour débuter, 10 000, 10 000 à droite, l'enchère, 12, 12, 12 000, 12 000, puis vous Bernard, à 12 000, 12 000, 12 000, qui coûte 15, 15, 15, 15 000. Le temps de saluer American Post. American Post qui sera stationné l'an prochain au Haras de Tréban. 20 000, plus vous Bernard, 20 000, dans l'Allier donc, aux côtés d'Apsis, Magadan et Monitor Closely. American Post, le père de la lauréate du prix Miesque, la lauréate du prix Miesque 2014, pour la Kazakh de Jean-Claude Serroul. À 35 000 euros, 40 000 Camille, 40 000, 40 000 Bernard contre vous, à 40 000, à 40 000, à 40 000, la fille de Redoute Choice, à 40 000, à 40 000, ça à 45, 45 000, 45 000, à 45 000 qui couche de 45 000, à 45 000, à 50, 50 000. Alors je vous le disais, la même famille, la même équipe pour ce lot 216. C'est juste le père et la mère qui changent. Le père c'est Redoute Choice. 55 000 Camille contre vous. À 55 000, 55 et la mère Nina's Rainbow, 60 000, Rainbow Quest évidemment, 70, Bernard, voulez-vous, est gagnante. Contre vous, à 60 000, premier produit de la mère. À 60 000, 10, à 60 000, à 60 000, à 60 000. Elle a pas peur la pouliche. Hein. 70 000, 70 000, 70 000, tranquille 80, comme ça, elle se promène. À 70 000, la fille de Redoute Choice, 80, 80 000, 80 000, 80 000, Bernard. Une future.
90 000 contre vous, Camille, mettez 100 000, à 100 000, plus vous, Bernard, la fille de Redoute Choice, à 100 000, Camille l'enchère à 100 000, contre vous, Bernard, à 100 000 euros, qui couvre en jeu de 100 000, à 100 000 euros, c'est bien vu, à 100 000 euros l'enchère, à 100 000 euros, on va la juger, la fille de Redoute Choice, à 100 000 euros l'enchère par Camille, fini Bernard, à 100 000 euros, pas de regret nulle part, à 100 000 euros, on peut la juger, dernière fois. Allez, un petit effort pour que je puisse mettre la musique. 100 000, Camille. Le numéro 217, présenté par Question Numéro, Novita, jument proposé par American Post, la nouvelle reine. Cette money. Est pleine de Maxios, dont les premiers produits seront full en 2015. I need some money. Pleine de Maxios, un bon service, elle est à terme en janvier. Cette chanson me fait penser à la chanson. Pleine de Maxios. Une autre chanson, 30 000, je ne me rappelle plus le titre, mais je vais demander à l'excellente Régie de me la placer Maxios, mettez vos pour les jours prochains. 20 000, pour début 20 000, toujours l'Allemagne, Kestut Fairhof. Fairhof ou Fairhof plutôt. Nous présente Novita, d'American Post justement. Nos nombreux étalons sponsors pour ces ventes. American Post qui a été recruté pour par le Haras de Tribon. Il faisait la manche jusqu'alors au Haras détruant. Mettez-vous en chair, prison à 20 000 euros, l'enchère seulement à 20 000. À 20 000 euros, qui coûte en chair de 20 000, pleine de Maxios à 25, c'est la même. À 25 000, 25, 30 000, plus vous, Alexandra. C'est Amina, voilà le nom de la pouliche gagnante du prix Miesk cette année pour American Post. Effectivement, elle porte la casaque de Jean-Claude Sirol. Elle est également double placée du stud à 2 ans. Elle a été élevée non loin du Lion d'Angers, chez Alban de Miel, au Haras du Grand Courjon. Cette Amina, elle a été élevée par Cher Abdullah, Bin Khalifa Al Thani. À 50 000, contre vous Estelle, l'enchère à 50 000. À 50 000 euros l'enchère, qui coûte en chair de 50 000. À 50 000 euros l'enchère par Camille, la jument, gagnante de Listed, placée de groupe, pleine de Maxios, à 50 000 euros nous sommes, c'est fini Estelle, pas de regret, on va l'adjuger, à 50 000 euros, rien au-dessus de 50 000, on peut adjuger, on la juge, 50 000 Camille. 50 000 pour une souvenir pleine de Maxios, c'est gagnante de Listed, elle est placée de groupe également. Son premier produit est un Duke of Marmalade, âgée de 3 ans. Elle n'a pas eu de foule cette année, puisqu'elle n'a pas été saillie tout simplement. Elle a un yearling par Exceed and Excel. Placée de Listed, pleine de Aziz Dream, famille d'Accento, de Miroslava, famille de chevaux de groupe, combien offre-t-on pour cette gagnante de ces courses, pleine d'Oasis Dream. 30 000 euros la jument pleine d'Oasis Dream. 30 000, allons-y, on va y revenir à 30 000. À 30 000 ça, c'est intéressant, vois-tu. 20 000 pour débuter. 20 une punir pleine d'Oasis Dream, une sœur de Switcher. Une Switcher est une fille de Weeper. Placée de groupe et de Listed. De très nombreuses occasions, dont 3e dans le prix du Calvados. 4e des Fred Darling. 4e des Albany, de groupe 3 également. À 30 000, la jument pleine d'Oasis Dream à 30 000. Pleine pour la première fois d'Oasis Dream. Donc, solo 218 qui s'appelle Jenny Johnston. C'est une fille de One Cool Cat, une mère par Vettori. Et elle est deuxième de Listed à Newmarket. 36 victoires de 2 à 6 ans. Oui, chassé assez téméraire, donc qui a duré jusqu'à l'âge de 6 ans. 55 000, Estelle. Alors c'est Marco Bozzi, qui est juste ici à côté de moi au téléphone. Alors met-il des enchères ou pas? Cette fille de One Cool Cat. 65 000, à 65 000 Estelle, toujours à 65 000, gagnante de 6 courses, placée de Listed, pleine
d'Oasis Dream à 65 000, nous sommes à 65 000 qui court en chair de 65 000 à 65 000 euros. À 65 000 euros, c'est Estelle Lanchère, pas 70 000, Guillaume Lanchère à 70 000, Estelle contre vous à 70 000, à 70 000, 75, 75 000, 75 000, Guillaume contre vous à 75 000, à 80 000, 80 000. En face. Oui, 85, progressivement, 000, progressivement, on approche le cap des 100 000 euros. À 85 000, à 85 000. On est à 85 désormais. Ah, c'est le restaurant qui se réveille à nouveau. Vous voulez vous mettre 100 000, à 90 000, à 90 000. À 90 000, je commence à déjà avoir faim. Attendez. Oh là là. Il est 20h14, vous êtes toujours en direct sur France Cire TV pour la fin de cette première journée de vente. Enfin, la fin, nous en sommes au lot 219 et nous irons tout à l'heure jusqu'au lot 239, c'est ça, exactement, 239, il reste 20 numéros, c'est un peu articulé, mais non, ça fait rien. Au restaurant, 140, 140 000, vous avez avalé de travers au restaurant, à 140 000, à 140 000, à 140 000, qui court en chaleur de 140 000, c'est Guillaume, maintenant 150, 150, Alexandra, à 150 000, plus vous, Guillaume. Ok, la prochaine fois je me tais. À 150 000. À 150 000, Alexandra Lanchère. Pas vous, Guillaume. Pas Camille non plus. À 150 000. Et on va la juger. Ah, John O'Kelly qui est présent. À 150 000. John O'Kelly, l'auctionneur. Plein d'Oasis Dream. Le World. Worldwide auctionneur, on peut dire. On peut être jugé, c'est à vous. Alexandra. Puisqu'il auctionne partout dans le monde. Il auctionne à. En France, à Osarus. Ah, Marco Bozzi. S'est réveillé. Un Italien qui dort. 160 000, Alexandra. 10. Ah, Alexandra a deux personnes. Presque. 180. Alors, il y a. 175. Les deux potentiels acheteurs sont à quoi? À 10 mètres d'intervalle. Par Alexandra, tout à fait à droite. Il y a d'un côté à ma gauche, il y a deux personnes. 170 000. Alexandra. Marco Bozzi, il est battu et finalement ce sont les deux autres personnes qui ont l'enchère. Il y en a un qui est au téléphone et l'autre regardait Marco Bozzi. Il a fait non, tu mets pas l'enchère, tu mets absolument pas l'enchère. Alors a-t-il peur ou pas? A-t-il eu peur ou pas? Donc, je pense pas. En tout cas, ces acheteurs-là sont des. Vous pouvez être sûr que nous devons faire un serial killer. Un serial killer. Un serial killer. C'est vrai. Des serial killers à 100%. Sont achetés à 170 000 euros, donc une poulinière pleine d'Oasis Dream. 30 000 qui offre 30 000. 30 000, allons-y. Gagnante de l'Istud, pleine de Le Havre, à 30 000 euros. Oui, pour le 219. Ah, Pittsburgh. 20 000 euros pour débuter. J'aimais bien cette pouliche en compétition. 20 000, 10 000 alors. Son premier produit, du Bawi, n'a pas gagné. Le deuxième est à l'entraînement, il s'appelle Trid. 15 000, allons-y. Un an plus court, tu. À 15 000 euros, pleine de l'or. Vous vous complétez. 20 000, à 20 000 euros. Trid, acclamation. Medician, pardon. Après, il y a justement un yearling par acclamation. Un fold de chart. Et actuellement, elle est pleine de Le Havre, cette Pitch Pearl. À 20 000 euros, l'enchère est chez Guillaume. À 20 000. Je vais vous chercher chez qui est à l'entraînement le 2 ans. À 25 000 euros seulement. À 25 000. Présenté par le Rat de Louvière, évidemment, c'est la famille P de Lady Ori. Alors, Trid a déjà débuté. Il est entraîné par Frédéric Rossi. Porte la casaque de Jean-Claude Séroul. C'est la même équipe que Amina. On a parlé tout à l'heure, la fille d'American Post gagnante du prix Yes. Trid a débuté, mais pour l'instant, pas tout compris. On va dire ça, il était 7e à 1900 mètres. 30 000, c'est là-haut, Alexandra. À 30 000, à 30 000, à 30 000, tout en haut, l'enchère à 30 000. À 30 000, plus vous, Guillaume. À 30 000, à 30 000. Ne doutons pas une seconde que Trid va. À 30 000 euros, on va la juger. Bien gagner sa vie dès l'an prochain. 30 000, on peut être jugé à 30 000 euros. Pas de regret nulle part. Cher par Alexandra. Parce que les. Oh là, ça a crié, là, ça a crié. À 35 000, plus là-haut, l'enchère à 35 000. À 35 000, à 35 000 euros. Docteur Cédrati, c'est ça. Il m'abuse. Et derrière moi, avec Jean-Claude Séroul, justement. Et de la casaque de Monsieur Séroul, on en parle. 35 000 euros, c'est bien vu. Pas regret là-haut. Très admiratif de cette casaque-là, puisque beaucoup de ses chevaux gagnent
gagne de l'argent et se rentabilise. Enfin, se rentabilise, je ne sais pas, mais gagne de l'argent. Le numéro 220 est présenté par l'entraînement Michael Delzangle, Pin-Up Girl. Alors, combien pour Pittsburgh? 35 000 Royal. Pin-Up Girl compte une place pour sa troisième sortie et elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante, la mère et la sœur de Policy Maker, gagnante Brooke. Vous l'avez vu et revu, ce beau cheval noir, ce bel étalon noir, cet entier noir, sur le blanc des sols du Haras des Granges. C'est Diamond Green, évidemment, qui était de passage sur France-Cyr. C'est le docteur Cédrati qui a signé pour 35 000 euros. Pitch Pearl. Pin-Up Girl, 3 ans, par New Approach et Palme Royal. Alors Palme Royal, elle avait laissé entrevoir des espoirs énormes à l'âge de 2 ans. Il suffit de Red Ransom, qui est entré par Elie Lelouch, portait la casaque de Curry Wallenstein, cette Palme Royal, puisqu'elle avait gagné en débutant le prix de la cascade à Longchamp, toujours très convoité. En début d'année de 3 ans, elle était deuxième du prix de la Chapelle en Serval, une course notamment gagnée par... une course notamment gagnée par Westwind, le prix de la Chapelle en Serval. Malheureusement, elle n'a pas pu se placer au gagnant de l'Istad. Elle était quatrième du Grand Prix de Fontainebleau, une Istad. Et c'est le premier produit de Palme Royal. Palme Royal, une sœur de Policy Maker. Pin-Up Girl est une nièce, une cousine plutôt, de Planteur. Et elle est pleine de Loman. Superbe famille pour cette jument pleine de Loman à terme en février. Fille de Sadler's Wells, propre sœur de Policy Maker. 30 000, qui offre 30 000 pour débuter? Allons-y. 30 000 euros. 30 000 euros, la fille de Sadler's Wells pleine de Loman. 30 000, 20 000, 20 000, 20 000 euros, 20 000, qui offre 20 000. 20 000 euros, la fille de Sadler's Wells pleine de Loman à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, 10 000, voulez-vous pour débuter? Allons-y, il faut débuter. 10 000. 10 000 euros, la fille de Sadler's Wells pleine de Loman à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, et 10 000, 10 000, 10 000, qui couvre en chef de 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvre en chef de 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, fille de Sadler's Wells pleine de Loman à 10 000. Ah oui, 15, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000, qui couvre en chef de 15 000. À 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, Laura l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, qui couvre en chef de 20 000. À 20 000 euros, l'enchère, le fille, la fille de Savé, 25, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. À 30, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. 30 000, 30 000, 30 000, toujours à gauche, l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, à 30 000 euros, qui couvre une superbe famille maternelle pour cette fille de Sadler's Wells, pleine de Loman, d'un bon service. À 30 000, nous sommes seulement. À 30 000 euros, l'enchère parlera. À 30 000, à 30 000, qui couvre l'enchère de 30 000. À 30 000 euros seulement, l'enchère à 30 000. À 35, 35 000 maintenant, 35 000, 35 000, 30, 40, 40 000, 40 000. À 40 000, 40 000, qui couvre l'enchère de 40 000. À 40 000, l'enchère. À 40 000, à 40 000 euros, à 40 000. 40 000 euros qui couvre en chef de 40 000. À 40 000 euros l'enchère. À 40 000 euros, c'est bien vu. À 40 000 euros, une fille de sa 45, 45 000, 45 000, une fait 50, 50 000, 50 000, 50 000. À 60, 60 000, 60 000, 60 000, 60 000, Laura toujours. À 60 000, 70, 70 000, 70 000, 70 000, fille de Sadler's Wells, pleine de Loman, 70 000. Un bon service à 70 000, à 70 000, à 70 000, qui couvre en chef de 70 000. La propre sœur de Policy Maker, pleine de Loman, à 70 000. À 70 000, à 70 000, Laura, votre enchère toujours. À 70 000, à 70 000, on va la juger. À 70 000, qui couvre en chef de 70 000. À 70 000 euros, c'est bien vu, pas de gré nulle part. À 80 000, 80 000, 80 000, 80 000, Laura, plus vous. À 80 000, Guillaume, 80 000, 80 000, 80 000, plus vous, Laura. 85 000, 85 000, si vous voulez, 85 000, plus là-haut. À 85 000, 85 000, 4, oui.
Guillaume, suivez, 90 000 là-haut, 90 000, 90 000, 90 000, plus vous l'aurez, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, plus là-haut, à 100 000, à 100 000 euros, à 100 000, 105, à 100 000, 100 000, contre vous, monsieur 105, voulez-vous, à 100 000, c'est en bas, la fille de Sadler's Wells, oui, 105, 105 000, 105 000, tout en haut, à 105 000, à 105 000, plus vous l'aurez, à 105 000, à 105 000. Alors c'est la même famille que le lot précédent, ce 221, tout en haut, à 105 000. Lot précédent, une fille de nid au proche, acheté à 30 000 euros, donc. À 105 000 euros, l'enchère tout en haut, à 105 000, à 105 000 euros. Et on est à 105 000 euros. On va l'adjuger à 105 000 euros. Fini le roi. À 105 000, enchère tout en haut. Formidable. 105 000 Guillaume. Fille de Sellers West, pleine de Loman. Numéro 222, appartenant à Vertebra. De Policymaker. Parle-moi, une Policymaker qui fera la monte l'an prochain au Haras de Corlay. Et le père est vendu avec un certificat d'aptitude à la reproduction. C'est la propre gagnante de groupe 1 en obstacle, Policymaker. Sœur de Sunday Dop. Formosa Johannas. De groupe. Sa mère, pas de réponse. Et gagnante de groupe 1. Qu'est-ce que je dis, c'est Formosa Johannas. La famille de Green Tune, un joli papier pour cette 3 ans. Combien offre-t-on? J'ai perdu la mémoire. 30 000 pour débuter, 30 000, j'ai perdu 30 000, la mémoire. 30 000, 20 000, 20 000, c'est Rolonas, bien sûr, Rolonas. Que la honte m'étouffe. Que la honte m'étouffe. La propre soeur de Céline à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, Estelle, l'enchère à 20 000. Voyez-vous, après presque 10 heures de vente, on peut dire beaucoup de bêtises. Nous en sommes à 9h25 de vente. Vous êtes toujours en direct sur France Cirque TV pour suivre ce lot 222. 222, hip number 222. L'enchère à 60 000 ici, à 70, 70 000, 70 000, 70 000, à 70 000 à droite, l'enchère à 70 000, à 70 000, 80 000, 80 000, la couverture des frères Vertemer, de Vertemer et frères, donc pour Parle-moi. Parle-moi, parle-moi, je ne sais plus. À 80 000, l'enchère, 80 000, 10, 10, 10, 90 000. Pourquoi pas? 90 000, Guillaume, toujours. Pour Parle-moi. 90 000, à 90 000, pas de réponse. À 90 000, à 90 000, à 90 000, 100 000, 100 000, Camille, 100 000, 100 000, 100 000, l'enchère par Camille, l'enchère à 100 000. Canadienne, une française, à 100 000 euros, à 100 000 euros, qui couche de 100 000. 100 000 euros, ça y est. À 100 000 euros, l'enchère, à 100 000, à 100 000, Guillaume, contre. On atteint le cap des 100 000 euros pour la demi-sœur de Sunday Dup. Un fils de Sundance Island, gagnant de Listed. La propre sœur de Saying, exactement. Merci Philippe, vous anticipez mes paroles. C'est une gagnante du prix Hérode et demi-sœur de Réponds-moi également, placée de Listed, troisième du prix La Sorine. C'est une nièce de Green Tune. 100 000 Camille. Une fille de pas de réponse, du coup, pas de réponse, elle est entraînée par le Hara du Mézeray, Paris-Vache, une jument baie par Singspiel et Passata, pleine de Dabir Sim. Passata, non. Non, non, Passata. Je pense. Elle est gagnante. Trop à manger. Et elle est gagnante de groupe. Oui, une gagnante de groupe, gagnante du Saint-Léger italien. C'est un groupe 3, cette Paris-Vache. Pour la première fois, pas d'Abissir. Née en 2009. Gagnante de groupe. Fille de Singspiel et sœur de Pomelato, l'excellent Pomelato. Gagnant du critérium de Maison Lafitte, donc un groupe 2. La sorte de Pom 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 également. Fille de Big Shuffle. À 20 000 euros. Jeune jument gagnante de groupe, pleine de Dabir Sim. C'est le troisième de Listed à Lyon, c'est Pom Pom Pom. Et la sœur de Passato également, un mâle par Lando, qui est gagnant de Listed sur. Non, pas. En plat et sur les plus courtes distances, mais sur les fences, sur les steeplechases. À 35 000 qui court en chaise de 35 000, à 35 000, à 35 000, plus vous Jean-Jacques, à 35, 40, 40 000, 40 000, 40 000, contre vous Alexandra, à 40 000, à 40 000, à 40 000, à 40 000 qui court en chaise de 40 000, à 5, 5, 45 000, 45 000, 45 000, voulez-vous 50, à 45 000 contre vous, à 45 000, à 45 000, à 45 000.
Meseret, qui nous présente cette fille de Singspiel, saillie pour la première fois par Dabersim. Dernier service le 9 juin. C'est un peu un poil tard. 55 000, qui court en chaleur de 55 000. Pas Alexandra, pas le resto. À 55, 60, 60 000, 60 000, 60 000, 65, 65 000, 65 000, 65 000, 65 000. Cette jeune jument gagnante de groupe. À 65 000, nous sommes pleines de Dabersim. À 65 000, l'enchère seulement. À 65 000, 10, son restaurant, l'enchère à 70 000. À 70 000, à 70 000, à 70 000, à 70 000, contre vous, Dominique. À 70 000, Alexandra, pas vous non plus. 15, Dominique. 75 000, à 75 000, à 75 000, à 75 000, l'enchère. À 75 000, qui court en chaleur de 75 000. À 75 000, à 75 000 euros. À 75 000 euros, qui court en chaleur de 75 000. Dominique, l'enchère, fini le resto. À 80 000. Et non, le resto, c'est à nouveau réveillé. À 85 000, c'est M. Jean-Claude Thiroux qui est à 85 000 euros, l'enchère par Dominique à nouveau. 10, 90 000. On met 100 à 90 000. Voulez-vous mettre 100 à 90 000 à 90 000. 100 à 90 000 à 90 000 à 90 000. Voulez-vous mettre 100 000 à 90 000. Oui, à 90 000. Sœur de 3 Black Type, elle même Black Type, essayée par Dabersim. 90 000, l'enchère au restaurant à 90 000. Dabersim, dont les. À 90 000 euros, c'est bien vu par le grain. La première année monte, c'est effectué cette année. De groupe, elle est pleine de Dabersim. En 2014. 000 euros, pas de grain, et donc le poulain né de cette union sera ici de la première production de Dabersim. 90 000. On la juge. 90 000 restaurants. Parti au restaurant. Le numéro 224 est présenté par le haras d'Etrehan, un poulain alezan né le 10 mars en Grande-Bretagne, assimilable au nez élevé en France. Il est par Ken d'Argent et Pata Negra. Pata Negra, qui est la sœur de Pampa Negra, gagnante de Listed, de la famille de Don Bosco, de Daring Miss, des chevaux de groupe. Combien offre-t-on pour le fils de Ken d'Argent? 30 000, 20 000, mettez vos enchères, 20 000, 10 000 pour débuter, allons-y, le fils de Ken d'Argent, une bonne famille maternelle, bien vivante, à 20 000, à 10 000, qui offre 10 000 pour débuter, mettez vos enchères, à 10 000 euros, à 10 000. Alors tout au long de ces ventes, on a des étalons partenaires, on a des haras partenaires, notamment le haras du Meseret, entre autres, qu'on a cité tout à l'heure, et le haras du Lieu des Champs, le haras des Hélices également, et c'est Richard Poel qui est à l'honneur désormais. Désormais, je commence à bafouiller de plus en plus. Le rat du Lieu des Champs, donc, qui avait vendu l'an dernier, pas l'an dernier, mais cette année, un yearling à 270 000 euros en octobre dernier. 10 jours plus tard, il avait remporté, enfin, le rat du Lieu des Champs avait remporté le prix de la Haie Jousselin grâce à. Milord Thomas est né au haras du Lieu des Champs. Il a grandi à côté et a été élevé par la famille Michel. Toujours dans l'actualité, le haras du Lieu des Champs. Et il vendra, Richard Poel vendra à mardi notamment la Seniora. Une gagnante de groupe 1, la Seniora. Prête à rentrer au haras. 45 000 qui court 50. Attendez, alors 50, Alexandra. Pas vous, 60. Un mal de but à tir. Présenté par le haras d'Etrehan. 65. En Angleterre, pardon. Le 10. 65. Le 10 février. Le 10 mars, bon, oui, alors, plutôt. Bon, ça va dernier. 55 000. Assimilable FR. À 55 000. Pata Negra, la mère du Baratea. À 55 000, qui court en chaleur de 55 000. La sœur, la propre sœur même de Pampa Negra, une gagnante de Listed. Pata Negra est gagnante à Strasbourg en plus, en 2008. Elle a pour l'heure un mâle de McPhee qui est âgé de 2 ans et un yearling Paroque Gibraltar. Et donc ce Ken d'Argent on adjuge. A été adjugé à 55 000 euros. Qui est présenté par l'entraînement Eric Libo. Nouvelle très belle vente pour Ken d'Argent. Par Moutatir et Peace and Love.
Fille de Moutatir ici, très bonne jument de course puisqu'elle est gagnante. La Tebois, la Tebois, elle est partie où la Tebois? Donc gagnante du Grand Prix de Vichy, elle est Blight Type, on la voit ici sur la vidéo. La mère est par Auguste Nord, très bon père de mère. Elle est seconde du prix Dollar, bien sûr, un groupe 2. Grande jument de course, très bonne jument de course. La famille de Tarte aux Pommes, Moutatir, mais Auguste Nord, lovely Brown Mare, Blight Type winner here. We can start at 20 000 euros, vous voulez 20 000 euros, il y a été preneur à 20 000 euros, mettez l'enchère à 20 000, 20 000 euros, bien sûr, l'enchère à Vladimir à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, l'enchère est à droite à 20 000, à 20 000 euros, Vladimir, l'enchère à 20 000 euros, à 20 000 euros, l'enchère est à droite à 20 000, à 20 000 euros, une enchère à 20 000, à 20 000 euros. Tu vas croire que la boîte s'est perdue. À 25 000 euros, à 25 000 euros maintenant, Vladimir, votre enchère à 25 000, 25 000. Quoi qu'il en soit, si on ne trouve pas directement les 30 000 euros l'enchère, à 30 000 euros l'enchère, à droite à 35 000, à 35 000 euros l'enchère, comme la vie est bien faite, à 35 000 euros l'enchère, à droite à 35 000, à 35 000 euros, mettez 40 000. Les résultats s'affichent également sur votre page de Direct France Cire. Sachez par exemple que le fall tout à l'heure, le lot 216, le fall de Roduccio et cette Nina's Rainbow a été racheté pour 100 000 euros. Tenez-vous bien, acheté 100 000 euros. À 40 000 euros, mettez l'enchère, à 40 000 euros. Atmir a été acheté par FBA, 165 000 euros. Nocturne a bien été acheté par Flaxman Stables, c'est-à-dire c'est Alan Cooper, souvenez-vous, qui avait signé le bon. À 55 000 euros, c'est Vladimir Lanchère. Hugo Lassel, on l'avait dit, avait acheté Pécara pour 700 000 euros. Nous en sommes au 229, il ne reste plus qu'une dizaine de lots. On va bientôt faire un point sur les statistiques de cette première journée. À 65 000 euros, Bernard, 70 000. À 70 000 euros, maintenant, Lanchère est à droite à Bernard. 75 000 euros maintenant, votre enchère, Vladimir, à 75 000 euros. À 75 000 euros, mettez 80, voulez-vous 80. À 80 000. À 80 000 euros, l'enchère maintenant, Bernard, l'enchère. À 85 000. 85 000 euros maintenant, l'enchère est là, à 85 000 euros, l'enchère. À 85 000 euros, l'enchère en face par vous. C'est Hippy qui passe sur le ring. Hippy, une fille de Mutatir, gagnant cette année à Vichy. 95, du Grand Prix Vichy, JP en plus. 100, Bernard, vous le vous 100. À 95 000 euros, mettez 100. Monté par Pierre-Charles Boudot, l'enfant du pays en plus. Et 110 000 et entraîné par Eric Clivaud. À 110 000 euros, Bernard, je avait également gagné le prix le vase d'argent plutôt à Toulouse cette année. À 120 000 euros l'enchère. À 140 000. À 140 000 euros toujours l'enchère. Et pour ses adieux à la compétition pour l'une de ses dernières courses. À 140 000 euros, mettez 100. Hippie, c'est que c'est deuxième du prix dollar. À 170 000. 160 000 euros toujours Vladimir est contre vous. À 160 000 170, à 170 000 euros maintenant à droite l'enchère. À 170 000 euros contre vous Vladimir. 80 180 000 euros maintenant, 180 000 euros, ils sont encore à 180 000 euros l'enchère est là, à Vladimir l'enchère, à 180 000 euros l'enchère, à 180 000, 200 Bernard, 200 000 euros Bernard, 200 000 euros à 200,000 now, à 200 000 euros Bernard l'enchère, à 200 000 euros l'enchère est là, à 200 000 euros c'est Bernard l'enchère, il n'y a pas d'erreur, à 200 000 euros, à 200 000 euros Bernard c'est votre enchère, à 200 000 euros Bernard votre enchère maintenant à 200 000, à 200 000 euros c'est sur l'enchère, à 200,000 your bid à 200 000, à 200 000 euros Bernard c'est votre enchère, à 200 000 euros it's your bid, à 200 000 euros pas d'erreur, à 200 000 euros c'est fini la l'enchère, à 200 000 euros la balle enchère, à 200 000 euros c'est sûr. Your bid, 200,000 à 200 000 euros. On va juger dans un instant. Bien, fini, Bernard Lanchère. Pierrick va dire le nom. 200 000 euros. On a juge. Narvik International, merci, votre enchère. Emmanuel de Ciro, Narvik International, signe présenté à nouveau un des tops de la journée après avoir acheté Altérité pour 1 100 000 euros. Emmanuel de Serreau, Narvik International, propre achète un Timir plein de motivateurs, pas un Timir, hippie plutôt. Un Timir, je crois que c'était déjà une Mutatir, mais une autre femelle de Mutatir. Hippie, donc hippie acheté 200 000 euros par Narvik International. 20 000 euros, motivateur, le père de trêve. 20 000, 10 000, 10 000, 10 000. Motivateur, le père de trêve, mais on va d'abord passer à Wild Park. Wild Park, un tout nouveau étalon. Finalement, l'un des rares étalons à rentrer depuis l'étranger de sa carrière de course. Un des rares étalons qui sera nouveau pour la saison 2015, donc en France, Wild Park. À 25 000, à 25 000 maintenant l'enchère. À 25 000 euros l'enchère, votre enchère, à 25 000. Mais qui est Wild Park? Mais demandez-moi, j'attends que ça. Wild Park est un fils de Dubaoui.
Il descend d'une des plus belles à 32 000 euros, Sarah, à l'enchère. Origine allemande, enfin une des plus belles origines allemandes. 35. Il y en a plein, donc l'origine des W et notamment celle de Masket Marvel. Pourquoi Masket Marvel ne porte pas le W à 45 000 euros, Alexandra contre vous. Au moins dans son nom. Et pour commencer son nom. Parce que Masked Marvel a été acheté à Virgin et n'est pas nommé, a été élevé ailleurs qu'en Allemagne. 60 000 euros en bas, Sarah. À 60 000 euros, Sarah en bas, l'enchère. À 60 000 euros, soit, Sarah qui tient l'enchère. White Park est issu très très belle origine allemande. 70 000 euros, Sarah. Il a gagné le derby allemand. Il a été acheté il y a quelques temps par IBM Bloodstock European Management. L'enchère à 80 000 euros à gauche, l'enchère. European Bloodstock Management, plutôt. Il fera la monte dès l'an prochain au Haras du Tenay, donc. Et sachez que il est visible, hein, il est visible à Deauville en ce moment même. Je vais aller le voir ce matin au Well Park, un très bel étalon. À 85 000 euros, bien vu, l'enchère est à gauche. Et qui sera d'autant plus beau encore dans quelques années, puisque évidemment là il sort de course, donc il n'est pas encore tout à fait étalon en ce moment, mais Wild Park donne ma confiance pour qu'il progresse physiquement. Il mesure 1m65, Wild Park, et il est visible dans les box de Philippe Van de Poel en ce moment, jusqu'à mardi donc. Les photos sont en ligne depuis ce matin. Ah non, c'est pas vos téléphones. Photos hein. de sa visite ce matin. Monsieur, on va prendre notre temps. Alors, c'est pas le monsieur au téléphone. Le monsieur à la lunette, là. 95. À 95 000 euros. À 95 000 euros, vous êtes trois. 95 000 euros, Guillaume. 95 000 euros, pas là et pas là. À 95 000 euros, alors mettez 100, monsieur, au téléphone. Demandez-lui. 100, c'est pas... C'est là. 100 000. 5, 105, c'est très clair. Les enchères sont par Guillaume. 105 000 au téléphone upstairs. À 105 000 euros, l'enchère est là. À 105 000 euros, il ne sait pas en bas. À 105 000 euros, bien vu. À 105 000 euros, pas d'erreur. À 105 000, 10 ? Non ? 105 000, l'enchère est là, bien vu, fini. À 105 000 euros, Guillaume, c'est fini. À 105 000 euros, l'enchère est là, bien vu, la dernière fois. Azarian n'a pas couru, a été essayé pour la première fois cette année par Motivator. C'est très clair. Merci, monsieur. 105 000 euros, votre enchère, Guillaume. Le numéro 227 est présenté par le Haras des Capucines, Pisphonic, jument Alzane, par Zaphonic et Pistalk, pleine de Sedgeburg. Zaphonic, Pisphonic bien sûr, la sœur de Pittsburgh, c'est la mère de Peace of Oasis. Elle est pleine de Sedgeburg. La mer est par Cyrus Wells. Lovely pedigree, lovely pedge ici. Jument avec de la taille ici. Bonne taille. On débute à combien? 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros, mettez dans l'enchère à 10 000. À 10 000, voulez-vous 10 000? 10 000 euros. 10 000 euros, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère est à 10 000. À 10 000, à 10 000 euros. À 10 000 euros, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, l'enchère à 10 000. Elle est pleine de Sedgeburg à 10 000. 5 000. 5 000. 5 000 euros, allons-y, mettez dans l'enchère à 5 000 euros, l'enchère, voulez-vous 5 000. 5 000, voulez-vous 5 000, mettez 5 000, allons-y, 5 000. À 5 000 euros, l'enchère, voulez-vous 5 000, mettez dans l'enchère à 5 000, oui, l'enchère. À 5 000 euros, l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, l'enchère à 7 000. 7 000, 7 000, 7 000, 7 000. À 7 000 euros, Guillaume l'enchère. À 7 000 euros, mettez 10 000, voulez-vous 10 000. À 7 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. À 10 000. À 10 000 euros, téléphone à 10 000. L'enchère à 10 000, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, contre vous, Guillaume, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, allons-y, elle est pleine ici à 10 000, à 10 000 euros, toujours Estelle, 12 000, l'enchère à 12 000, l'enchère à 12 000, à 12 000 euros, l'enchère à 12 000 euros, maintenant Estelle, votre enchère à 12 000 euros, ici encore à 12 000, à 12 000 euros, 13 000, à 13 000 euros, l'enchère à 13 000, à l'enchère Estelle, à 13 000 euros, c'est Estelle, l'enchère à 13 000 euros, l'enchère à 13 000 euros, à 13 000 euros, ici encore à 13 000, à 13 000 euros, non, Guillaume. 13 000 euros, c'est Estelle. À 13 000 euros, jeune jument, à 13 000 euros, à 13 000 euros, l'enchère est à Estelle, l'enchère 14. 14 000, à 14 000 euros l'enchère, toujours à droite, à 14 000, 15 000, à 15 000, à 15 000, à 15 000, à 15 000 euros l'enchère, à 15 000 euros l'enchère, à 17 000, à 17 000 euros Alexandra, à 17 000 euros Alexandra l'enchère, à 20 000, 18 000, à 18 000 euros l'enchère, à 18 000 euros l'enchère, 18 000 euros l'enchère, 20 000, à 20 000 euros l'enchère, attention Alexandra, c'est pas vous l'enchère, à 20 000 euros c'est Camille, 22 000 là l'enchère, à 22 000 euros rien à gauche, à 22 000 euros l'enchère est là. 22 000 euros pour une imposante fille de Zaphonic.
22 000 euros l'enchère est à Alexandra et pas vous. 22 000 euros, 22 000 euros pas d'erreur. Pour Peace Folic, philosophe phonique et de Peace Talk, la mère est par Sadler Swells. Et les plaines de Sageburg, présentées par le Harvey Capucine, rencontre de Jean-Pierre Dubois. C'est déjà la mère d'une lorette de Eastad, à savoir Peace of Oasis, une fille d'Oasis Dream. 28. 28 000. Testé pleine, dernier service du 22 mars. À 28 000 euros l'enchère, Alexandra. À 28 000 euros l'enchère, mettez 30 000. Vous savez, bien sûr, que Sageburg a été exporté en Irlande. À Gary Richardstad. À 30 000 euros, Alexandra l'enchère. À 30 000 euros, Alexandra l'enchère. Camille, vous êtes battu. À 30 000 euros, Estelle, c'est fini. Jean-Pierre Dubois a gardé 50% du cheval. Sachez-le. Peace Phonique, pleine de Sageburg, la mère de Peace of Oasis. Bien vu. Fini. Et la sœur de Pittsburgh, d'ailleurs. L'enchère à vous, ici, à droite. Alexandra, pas d'erreur. Alexandra, l'enchère à vous, à droite. Alexandra, on adjuge. 30 000, Alexandra, votre enchère. Le numéro 228 est présenté par la Motrey Consignment. Peaceful Love, une jument noire pangarée par Dashing Blade et Peace Time. Cette jument est pleine de motivator. Pleine du père de la championne Trève. Elle est placée de groupe 3, cette jument. Donc, Peaceful Love. Elle continue avec une poulinière qui est pleine de motivator. Excellent père de mère par ailleurs. Le père donc, c'est la mère entre autres de Trève et évidemment le père de Rita Sina, lorette de groupe 1. Le père cette année de Cocktail Queen, une lorette de groupe 3. Elle avait gagné le Gant au Biron, elle avait gagné le Grand Prix de Deauville. Également. Et le père de Felician, à lorette groupe, le père de Skyhunter, un placé du Jockey Club. Et de Ferrevia. Qui avait gagné la groupe l'an dernier. À 35 000 euros, Bernard, c'est contre vous à 35 000. À 35 000 euros, mettez 40 000 à 35 000. À 35 000 euros, Guillaume. À 35 000 euros, tout est à Guillaume à gauche à 40 000. À 40 000 euros, l'enchère. À 40 000 euros, la fée des Dashing Blade. À 40 000 euros, la plaine de motif. Bernard? 45 000. À 45 000 euros, Bernard, l'enchère. À 45 000 euros, 45 000, 50 000. À 50 000 euros, Estelle, l'enchère. À 50 000 euros, Estelle, l'enchère. À 55 000 euros. À 55 000 euros, Guillaume, l'enchère. À 55 000 euros, Guillaume, l'enchère. Toujours à gauche. À 55 000 euros, bien sûr, l'enchère est là. 60 000 euros l'enchère est à Estelle, à 60 000 euros l'enchère, à 65 000, à 65 000 euros bien sûr, à 65 000 euros l'enchère est toujours à Guillaume, à 65 000 euros Bernard, je ne vous entends plus, à 65 000 euros Estelle, vous êtes battu, à 65 000 euros c'est Guillaume qui tient l'enchère, 70 000 euros maintenant, 70 000 euros, 75 000, 75 000 euros l'enchère, 75 000 euros Bernard, c'est votre enchère, à 75 000 euros l'enchère est à droite, à 75 000 euros mettez vos enchères, à 75 000 euros qui met 80, à 75 000 euros mettez 80, voulez-vous 80, à 75 000 euros ici encore, à 75 000 euros. 75 000 euros donc pour la sœur de Peace Royal, lorette de groupe 3, et 75 000 euros également pour la tante de Peace Society. Peace Society est une fille de Ifrage, elle a 2 ans, elle est gagnante de l'Eastud, et si je m'abuse c'était à Baden, Baden-Baden. Quoi qu'il en soit, j'ai vu courir cette Peace Society lors du meeting de Baden début septembre. 3 ans sortant de l'entraînement par Duke of Marmalade. 75 000 euros, un petit appart. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. The Duke of Marmalade. C'est la demi-sœur de Topaz Blanche ici. Demi-sœur de Topaz Blanche, Black Type. Jument, deuxième du Marcel Boussac, je vous rappelle. Et c'est une grande souche, puisque c'est Voix du Nord, Varxy, Snowcap, Girl of France. Alors qu'est-ce qu'il s'en rappelle? Il se rappelle de quoi, là, Pierrick? Pour cette fille de Dieu, Ah oui, exactement, Topaz Blanche, deuxième du Marcel Boussac. 10 000 euros 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, voulez-vous 5 000 euros? Topaz Blanche est tout simplement la sœur de Vrissa. 5 000 euros l'enchère. Vrissa, c'est sous l'eau, numéro 229. 5 000 euros l'enchère. Femelle. 5 000 euros l'enchère. 6 000. 6 000 euros maintenant. Assez énervé là. Une fille de Duke of Marmalade. Duke of Marmalade, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il est désormais étalon en Afrique du Sud, à Drakensberg. 6 000 euros Guillaume l'enchère est à gauche à 6 000. 6 000 euros. 6 000 euros. On s'appelle de cette Vrissa. 6 000 euros l'enchère Guillaume à gauche à 6 000. Elle compte une place à 3 ans, donc cette année.
sortant de l'entraînement. Portait la casaque et défendait l'élevage de Leonidas Marinopoulos. Le plus français des Grecs, le plus grec des Français, puisqu'il a énormément de poulières au haras du Kenet. D'ailleurs, c'est le haras du Kenet qui présente ce lot, numéro 229. Donc, un accent est riche, moi. À 20 000 euros, désormais. 25 000 euros. Ah, sur la deuxième mer, on retrouve Snowcap. C'est une nièce d'ailleurs de Snowcap. 27 000 euros. Fils de Bering, qui, si je ne m'abuse, fait la monte chez Valérie Vatel, il me semble bien. Et sur la deuxième mer, on retrouve également Voix du Nord. 27 000 euros. C'est d'ailleurs une nièce, une cousine de Voix du Nord. Pas de regret, pas d'erreur ailleurs. À 27 000 euros. On a jugé. Guillaume, merci. 27 000 euros, votre enchère. Ouais, on a jugé. Le numéro 230 est présenté par Darley, Excellent View, une femelle grise de 3 ans, par Chamardal et Pearl Grey. Excellent View compte une sortie supplémentaire. Elle est vendue sortant de l'entraînement. This filly is out of training. Et elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Vincent Rimaud. Fille de Chamardal. Vincent Rimaud, ici, justement, je voyais marcher Vincent Rimaud, donc le directeur du Haras du Kenet, qui vient signer le bon de sortie. C'est la famille de French. De cette Vrissa, donc il s'agit vraiment d'un rachat. 27 000 euros, la police l'a acheté. 20 000 euros pour débuter, pourquoi pas, pour ce lot. 230, une femelle par Chamardal. Et Pearl Grey, Gone West, gagnante de l'Estud. Gone West, deuxième des Sheringham Stakes à l'âge de 2 ans. Elle n'a pas gagné, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, elle n'a pas gagné. À 5 000 euros, il y a une enchère, à 5 000 euros l'enchère. À 5 000 euros une enchère, oui, 6 000 devant vous. C'est nul. Elle n'a pas du tout gagné cette excellente vue. Cette fille de Chamardal. Et pourquoi l'enchère ne décolle pas davantage. N'empêche qu'elle est très bien née. À 12 000 euros Marie, à 12 000 euros l'enchère, à 12 000 euros ici encore à 12 000, à 12 000 euros l'enchère, à 15 000 euros, à 15 000 euros, à 15 000 euros. Un nouvel euphémisme depuis le début de ses ventes. Très bien né, tous les chevaux sont très bien nés dans ce catalogue du blanc sur la première journée de vente. Alors c'est la famille de Time Prisoner, un lauréat de groupe 3 pour Sheikh Mohamed. D'ailleurs c'est Sheikh Mohamed qui présente sur son entité d'élevage d'Arlet cette semaine de Chamardal. La nièce donc de Time Prisoner, la famille d'Emily Brontë. Emily Brontë, cette toute bonne pouliche de 2 ans qui avait gagné le réservoir à 18 000 euros, bien sûr, l'enchère, la casaque de Sheikh Mo, vraiment d'André Fabre, qui entraînait d'ailleurs les produits d'Emily Brontë, Earnshaw, deuxième du critérium international derrière Eto l'an dernier. Earnshaw, fils de Medagliadoro, et son frère Lockwood était lui-même gagnant de groupe 3. À 20 000 euros, merci beaucoup. Après, Gris Orangis, c'est un show. Quant à lui, il avait gagné Thomas Briand, donc la préparatoire au critérium international. On adjuge Laura l'enchère, 20 000 euros. Le numéro 231 est présenté par l'entraînement Christian Ed Maharek, l'Istria, une femelle bête de 3 ans, par Footsteps in the Sand et Perugina. C'est la famille de la 3 ans Kalsa, gagnante du prix Ceres Listed. Ah, exactement. Cette jument est vendue sans TVA. This filly is sold without VIT. Et exactement. Enfin, elle a un certificat d'aptitude à la reproduction. Tout bon papier pour cette Istria. Une souche old man, old dame plutôt, pardon. Mère Augustiner, placée, fille de la championne Perugina. C'est la famille de Topeka, de Silvestro, de Vitaba, bien sûr, Zazera. Et on débute à combien ? Pierrick en a dressé le portrait de cette Listria. Pour cette famille de Pierrick Moreau, donc c'est auctionneur, hein, pour ceux qui nous suivent, pourquoi pas, pour la première fois de leur vie. Pour la première fois, toute première fois. Oui, 10 000 euros l'enchère à gauche à 10 000. À 10 000 euros, c'est
Pierrick Moreau, donc je le disais, et l'auctionneur, c'est le monsieur qui parle, que vous entendez derrière ma voix. Donc vous avez la chance d'entendre deux douces voix, deux belles voix pour le prix d'une. Pendant ce direct, donc 10 000 euros, il n'y a personne qui prend l'enchère à 10 000 euros pour la fille de Footsteps in the Sand et de Perugina. Perugina est une fille d'Aestoner plutôt, avec une d'Archad. Perugina avait gagné groupe à l'âge de 2 ans. Elle avait gagné prix Eclipse, 3e du prix du bois. Et Perugina est une sœur de Sovana, la mère de Topeka. Topeka, c'était une whipper. J'aime bien les Whippers. Topeka, une fille de Whipper, donc gagnante du prix Miesque également. Et également un groupe 3 pour femelle. À l'âge de 2 ans, 3e de la poule d'essai pour Topeka également. Et depuis l'apparition du catalogue, la propre sœur de Topeka, Kalsa, donc une autre, notre fille de Whipper, a gagné le stade depuis l'apparition du catalogue. Un update important. 16 000 euros, Dominique Voya. À 16 000 euros, alors Dominique, vous êtes très clair, vous. À 16 000 euros, c'est Dominique. 17 000. À 17 000 euros maintenant. À 17 000 euros, Guillaume Lanchère. À 17 000, 18. C'est Dominique qui tient l'enchère à 18 000 euros. La droite, l'enchère à 18 000. À 18 000 euros, l'enchère à Dominique Lanchère. À 18 000 euros, Guillaume. C'est plus vous, Guillaume. 20 000. 20 000 euros, 20 000 euros, vous êtes sûr à 20 000, à 20 000 euros l'enchère est là à gauche à 20 000, 22 000, à 22 000 euros Dominique l'enchère à 22 000, 22 000 l'enchère à 22 000, 22 000 euros l'enchère, à 22 000 euros ils sont encore à 22 000, à 22 000 euros maintenant, à 22 000 euros, Guillaume! C'est fini Guillaume? 22 000 euros, bien vu, l'enchère est à Dominique, à 22 000 euros. Je vous invite d'ailleurs à relire le papier de Xavier Bougon, on salue au passage et ici, par Dominique. Évidemment. On a le juge. 22 000 euros. Tapez prix CRS dans le moteur de recherche. Vous tapez Old Dam, par exemple. Thierry Oldman. Donc, c'était l'homme derrière toute cette famille, le propriétaire éleveur. Et depuis son décès, il y a quelques mois, c'est sa veuve et son fils qui ont repris le flambeau. Et Mère Hagestonor, gagnante du prix Urban C. L'adjudication a été sans papier. 22 000 euros. Au lieu d'en danger, et oui, l'entraînement d'Alain pour le 235. Donc, propre sœur de Orso, Garinella, Roué, Orso, Victorina, la bonne souche maternelle ici, la petite fille de Monsoon. Et on est peut-être à combien? Ah, il y a Madame Cricketet Marek. 30 000, 20 000, 20 000. Christiane Marek qui vient aux nouvelles de l'acheteur. Eh bien, Jean-Jacques, 20 000. 20 000 euros, Jean-Jacques, c'est votre enchère à 20 000. À 20 000 euros l'enchère. Je viens le remercier également. À 20 000 euros l'enchère à 20 000. À 20 000 euros l'enchère, allons-y, 20 000. 20 000 euros, oui, l'enchère. À 20 000 euros, Jean-Jacques, l'enchère à 25 000. À 25 000 euros l'enchère. À 25 000 euros maintenant. À 25 000 euros, c'est Marie l'enchère. À 25 000 euros l'enchère à 30 000. À 30 000 euros maintenant, Laura. À 30 000 euros. À 30 000 euros, Laura l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, Laura à 35 000. À 35 000 euros. À 35 000 euros, Gigi à 35 000 euros. 35 000 euros, Gigi, c'est le restaurant, c'est Jean-Jacques. À 35 000 euros l'enchère. À 35 000 euros, mettez 40 000. 35 000 euros l'enchère. Moins d'activité qu'à midi au restaurant. À 40 000 euros, c'est Camille. Ah, il y a Nicolas Chambure qui est restaurant. Oui, tout à fait intéressant, c'est Wave Vanilla qui est actuellement sur le ring. Elle est gagnante du prix Urban C au Lyon d'Angers. Cette année même. C'était le 14 juin dernier, une date tout à fait spéciale pour Arnaud et Nadia. C'est le jour de leur union. Ils ont dit oui pour la vie. Vous la connaissez? À 55 000 euros, bien sûr. À 55 000 euros. À 55 000 euros, Laura l'enchère. À 55 000 euros, et contre vous, Camille. À 55 000 euros, bien sûr. Ouais, Vanella, gagnante de l'Istud. À 55 000, 60. Gagnante de l'Istud pour l'entraînement d'Alain Quetil, cette Ouais, Vanella. 60 000 euros. 60 000 euros le prix Urban C. Et pour son père, Gentle Wave. Gentle Wave a été exporté, vous le savez, depuis cette année en Angleterre, chez David Fetter, à Yorton Farm. Mais Gentle Wave est toujours à découvrir sur France 5, puisque les 5 étalons, pour l'instant il y en a 4. Mais les 5 étalons sont toujours sur France 5, enfin sont toujours pour Gentle Wave. Il y a d'autres jeunes étalons qui sont à découvrir, dont Universal, entre autres.
Donc comme dit, pour l'instant, je vous explique les 4 étalons qui ont leur page étalons c'est bien vous, sur Francir de chez Yorton Farm. Jean-Jacques, 85. Oui. Et, 85 000 euros, Jean-Jacques. La oui, c'est de restaurant, merci monsieur. Parce qu'il y a 5 étalons. 85 000. À 85 000 Manier, également. À 85 000 euros, c'est contre vous. À 85 000 euros, il n'y a pas d'erreur. À 85 000 euros, oui, c'est grise, grise comme Martaline. Une valeur sûre en plat et en obstacle. À 90 000 euros, surveillez bien. À 90 000 euros, l'enchère. Martin, dans les produits, se vendent bien également. Mais attention, attention, attention. Mettez-vous un grand point d'exclamation avec un triangle autour dans votre agenda dès aujourd'hui, dès demain. Appelez immédiatement Aliette Fourien pour réserver les toutes dernières saillies de Martin, puisque Aliette Fourien m'a confié hier que le carnet de balle 2015 de Martin allait être plein dans les prochaines heures. 110 000 euros maintenant, l'enchère. Et donc les dernières juments vont être sélectionnées sur le volet. 120 si vous voulez, monsieur. À 120 000 euros l'enchère. À 120 000 euros par trier sur le volet. À 120 000 euros l'enchère. À 120 000 euros. 125. 125 000 euros l'aura l'enchère. C'est une grande pouliche, elle a beaucoup de. Position faiblie. À 125 000 euros. Il a beaucoup de taux. À 125 000 euros l'enchère. 130. Très longue ligne. 130 000 euros l'enchère est toujours là. À 130 000 euros, toujours là, c'est fini. À 130 000 euros, c'est en balance. Wave Vanilla, donc la sœur de Garinella. À 130 000 euros, bien vu. Balingari. Qui a gagné groupe 1, le Grand Steeple Chase de Milano, cette année même. À 130 000 euros, pas d'erreur, il a raccroché. Il a raccroché également à 130 000 euros. Enchère ici, par vous, Jean-Jacques, au restaurant. On a le juge. Jean-Jacques, merci. Votre enchère au restaurant, 130 000 euros. Le numéro 233 est présenté par le haras du Bois-Roussel, Pepperberry, une jument alsane par peintre célèbre et plante rare, pleine de high chaparral. A noter son dernier service est le 25 mars, last service, March the 25th. Pepperberry, belle jument ici. Belle jument. A noter que plante rare est pleine de Frankel. Et donc, c'est la demi-sœur ici de planteur, donc Pepperberry, demi-sœur de planteur, gagnante et pleine de high chaparral. Et on débute à combien ici? Donc, 20 000 euros l'enchère, vous voulez 20 000, 20 000 euros l'enchère, 20 000, 20 000 euros. Je vous rappelle, 130 000 euros donc. Dernier service, pardon, le 25 mars. Alors, 20 000, 25 mars, d'accord, et non mais, comme indiqué sur le catalogue. 20 000 euros l'enchère, oui, vous voulez 20 000. Ça change tout dans l'histoire. À 20 000 euros, allons-y, on y reviendra à 20 000. À 20 000 euros, à 20 000 euros, un excellent pédigré. Oui, 20 000 euros, c'est plus l'enchère, à 20 000. À 20 000 euros l'enchère, merci beaucoup. À 20 000 euros l'enchère, à 20 000, à 25 000, à 25 000 euros l'enchère, à 25 000, 30 000, à 30 000 euros maintenant l'enchère, à 30 000. Bon, mes amis, mes aïeux, nous en sommes au lot 133. À 35 000 euros l'enchère, la sœur de planteur. Et nous allons terminer dans un instant. Le dernier lot de cette première journée sera le lot 239 plutôt. À 55 000, Dominique. À 55 000 euros. À 55 000 euros, c'est Dominique. 50 000. À 60 000. À 60 000. J'ai commencé à pleurer, moi. À 65 000. J'ai plus vous. 65 000. Plus pouvoir vous parler jusqu'à demain matin, 10 heures, et oui. 70 000. À 70 000 euros maintenant. À 70 000 euros, ici encore à 70 000. À 70 000 euros, toujours Dominique. 70 000 euros pour la sœur de planteur. 75 000. Fils de Daniel Dancer qui a gagné le groupe 1 prix gagné. Planteur qui a été talon depuis cette année au Haras de Bouctau. Il a été acheté par Cheikh Johan Altani. Planteur à la famille Wallenstein d'ailleurs. La famille Wallenstein, la Haras du Bois-Roussel qui nous présente cette Pepperberry. Fils de peintre célèbre. Laura. Leur étalon presque de cœur. Oui. 100 000. Je dirais. Puisque peintre célèbre avait gagné pour la Kazakh et l'élevage Wittgenstein, le prix de l'Arc de Triomphe, entre autres. Il a fait le triplé historique. Jockey Club, Grand Prix de Paris, prix de l'Arc de Triomphe à l'âge de 3 ans. C'était en 97, monté par Olivier Pellier. Elle est pleine de high chaparral. Pepperberry. Elle n'a pas eu de fall cette année. L'an dernier, il a eu un mal de Duke of Marmalade qui est Yarlin, à 115 000 euros, c'est Dominique Lanchère. À 115 000 euros. À 115 000 euros, Laura, vous êtes battue. À 115 000. 120. Oh 125. En bas, Camille. Qui a fait le hop, là? Il n'y a plus de voix. Léa, ouais. Je ne vous entends pas, donc c'est clair. 125 000. Dominique, prenez l'enchère. 125 000.
125 000 euros la l'enchère. Léa, c'est la scotteuse qui est juste devant nous. Et Léa observe, pourquoi pas comme moi, Didier Barassin. Didier Barassin qui est au téléphone. Merci Laura, c'est très clair. Et Didier Barassin qui travaille pour le Harad de la Pérel. À 130 000 euros ici encore, à 130 000 euros surveillé Dominique. 135. Didier Barassin qui est à côté de Patrice Renaudin. Conseiller auprès de Jürgen Winter. Jürgen Winter, c'est le allemand, évidemment, qui est propriétaire du Harad de la Pérel, les éleveurs de Haïtjens, cette année, gagnant du. 140 000 euros, Laura, votre enchère. Gagnant du. C'est fini. 150. 150 000 euros à droite l'enchère. À 150 000 euros, c'est contre vous à gauche, à 150 000. À 150 000 euros, bien vu. À 150 000 euros, essayez encore, Laura. Fini, monsieur. 150 000 euros, il a raccroché. Merci votre aide. Pas d'erreur. L'enchère assis, Barassin. Troisième rang, partant du haut. Ouais, c'est bien eux, c'est bien eux. On a le juge. Méridiane, merci monsieur. Votre enchère, Léa. Méridiane. Et c'est pour le compte de Jürgen Winter. Jürgen Winter est présent à côté de Méridian International, de Didier Barassin et de Patrice Renaudin. Jürgen Winter, donc, qui a investi, continue toujours d'investir dans les pouliches. Donc, le rat de la Pérel achète Pepperberry pour 130 000 euros, pour 150 000 euros même. Chasing Star, Modern Stone, la famille de Midday. 1 million de francs. Trois professeurs de Rims of Fairs, donc ici, fille de Naïef, la famille Mitté. Et on débute à combien pour cette fille de Naïef? Oui, c'est la deuxième mère. Allons-y, la numéro 234. Tout simplement la cousine, enfin une des cousines de Mitté. 10 000 euros, mettez l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, grande championne Mitté. 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère. Présentée par l'heure des Capucines, je présentais tout à l'heure Altérité. À votre enchère dans le top price à 1 100 000 euros. 10 000 euros, c'est le prix. Top price du jour. À 10 000 euros, l'enchère à 10 000. Oui, 15 000 maintenant, Guillaume, à 15 000. À 15 000 euros, mettons l'enchère à 15 000. À 15 000 euros, à 15 000 euros, 20 000. 20 000 euros, 20 000. À 20 000 euros, Marie. C'est une origine 100% Jetman Farms, celle du prince Khalid Abdullah, Solo 134, 234 plutôt. À 20 000 euros, à 20 000 euros, l'enchère à Marie, l'enchère à Marie. Yellow Edge est une fille de Naïef, donc, et de Postmoderne. Postmoderne n'a pas couru, mais elle est la mère de Chasing Stars qui avait gagné l'Istud pour la Kazakh rose et verte et blanche du prince Abdullah. 25 000 euros maintenant. Elle est polinière désormais, c'est Chasing Stars. 25 000 euros l'enchère, il est parti, Marie. À 25 000 et euros, c'est la famille également de Disclaimer, de Mitté, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et plus récemment, de Hot Snap, Head Snap, qui est troisième des Nassau Stakes, gagnante des Nell Gwynn Stakes. 25 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère, il n'y a pas d'erreur et pas de regret. À 25 000 euros. Alors, à peu couru, quand on dit à peu couru, c'est-à-dire que. Pas très bonne, quoi. Guillaume, 25 000. Le numéro 235 est présenté par le Hara du Bois-Roussel. Bon, elle a un pédigré par Danzili et Pogepsi, qui lui tend les bras pour le Hara. Elle a été essayée une seule fois. Ah, toujours le Hara du Bois-Roussel, la famille Wittgenstein. De la Melbourne Cup Groupe 1. Elle est vendue avec un certificat. Ah oui, exactement. À la reproduction et à noter que cette jument tique à l'ours, This Mary the Weaver. À 100 mètres du but, fusil attaqué par l'ombre à la corde. Le Hara qui prend le meilleur, qui va s'imposer. Qui s'impose avec ses soifs premières devant Fusée, Vestralia, Mejdam, Calvados Blues. Gagnant cette année, 4 longueurs et demie à Fontainebleau, à 2 ans donc, un des classiques, prospect classique pour next year. On va faire donc par la musique, une des meilleures 2 ans, on verra l'année prochaine. Dans cette famille, c'est le lancement de la Et oui, pardon, j'étais tellement omnubilé par ce lot 235, cette fille de Dancili, que j'en ai oublié tout simplement. Le Hara de la Covinière, le Havre bien sûr, Air Chief Marshall, R.H. Zaman, leurs trois étalons, je suis vraiment trop nul. Car je ne suis pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon cher Christian. À 25 000 euros, pas de bol puisque cette planète bleue, elle est vide de l'œuvre cette année. Vide un seul saut le 27 mai dernier. Bon, on n'a pas voulu insister plus tard. Laura, c'est tout là-haut?
J'ai 35 000 tout là-haut, tout là-haut. Alors, tout là-haut, tout là-haut, c'est l'assistant d'Anthony Stroud qui est au téléphone. C'est au téléphone 40 000 euros l'enchère. 45, 50. 55 000, 60 000 euros bien sûr au téléphone à 60 000, pas là, à 60 000 euros là-bas, au téléphone à 60 000, oui, yes sir, it's you, à 60 000 euros l'enchère, à 60 000, 65, 70, à 70 000 euros maintenant, à 70 000 euros Guillaume l'enchère, à 70 000, à 70 000 euros, 75, 75 maintenant, 75 000 euros au téléphone, à 75 000 euros l'enchère, à 75 000 euros toujours Laura, à 75 000 euros, 80 000, à 80 000 euros là l'enchère, à 80 000 euros, 90 000, à 90 000 euros maintenant Guillaume, à 90 000 euros l'enchère est là, à 90 000 euros qui va mettre 100 000, à 90 000 euros c'est Guillaume, 100 000, à 100 000 euros maintenant tout là-haut Marie, à 100 000 euros au téléphone, à 100 000 euros téléphone, donc c'est, ah il y a deux personnes au téléphone tout à fait, à 100 000 euros, c'est... tout en haut, 105 par Bernard, ah, ah, Bernard, 105 000 euros l'enchère. Voilà. Bernard, l'œil de lynx. 110, Marie, à 110 000 l'enchère. À 110 000 euros l'enchère, 115. Alors, on l'appelle à chaque fois Bernard, mais sachez, et je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, c'est Bernard de Rovier. Bernard de Rovier, donc le commissaire priseur de. 125 000 euros l'enchère et par. Ici d'Arcana. Bernard de Rovier. 125 000 euros l'enchère est là. 125. 130 000. Depuis le début de la vente. Et oui, comme nous, comme moi. 135, pour vous servir. 135 000 euros l'enchère à la barrière. Ça y est, il est 21h09. Vous êtes toujours en direct sur France Cire TV. Depuis 11h ce matin, nous sommes en direct. Nous n'avons pas lâché. Car nous aimons notre métier. C'est un sacerdoce. 140 000. 140 000 euros, Marie. 150 ? Ah oui, 5, il faut 145. 145, bien sûr, monsieur. 145 000. À 145 000 euros l'enchère. À 145 000 euros l'enchère est là. À 145 000 euros, mettez. On en a 50. Marie, 150 000. 150 000 euros maintenant. À 150 000 euros l'enchère est là-bas. C'est à 150 000 euros, c'est Marc-Antoine Bergache qui est battu. Sûr. À 150 000 euros à la barrière, il a dit non. C'est fini. À 150 000 euros. L'enchère par vous, Marie, tout là-haut. À 150 000 euros. Pas en bas, pas de regret. Last time. On est juge. Merci monsieur. Thank you sir. Votre enchère. Encore une nouvelle belle Marie, vente. Tout là-haut au téléphone. Pour le Hara, le numéro 236 est présenté par l'écurie des Monceaux. Pagua, jument Bébrin par Zamindar et Prada, pleine de un tout là-haut, bah, c'est bien Anthony Stroud. Enfin pas lui-même, c'est pas Anthony. Pleine du champion Intello. Son assistant qui signe le bon. Super souche allemande ici, Paita, Paita, Pirica, Puntilla, donc Paita, c'est la sœur de Paita. Gagnante du Critérium, quel pédigré, quel très bon pédigré, fille de Zamindar. Et on débute à combien ici? Donc la sœur de Paita par Zamindar. 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, j'ai preneur à 30 000, Anzé Guillaume, 30 000, voulez-vous 30 000, 20 000, alors 20 000, 20 000, oui, 20 000 euros, c'est pris l'enchère à 20 000, à 20 000 euros, Guillaume, mon enchère, à 20 000 euros, à 20 000 euros pour moi, l'enchère à 20 000, à 20 000 euros, l'enchère, à 20 000 euros, allons-y, mettez l'enchère à 20 000, 25, 25 000 euros, Marie, surveillée, à 25 000 euros sur votre. Pleine pour la première fois d'un télo. Dernier service du 20 mars dernier. Un télo qui était à deux doigts de faire le doublé pour l'essai des poulains à prix du Jockey Club. N'empêche, néanmoins, été troisième de la poule d'essai des poulains. Par la suite, il a pris un éclatant de revanche sur ses contemporains de mâles de 3 ans en gagnant brillamment le Jockey Club. En étant troisième du prix de l'Arc de Triomphe également, et aussi troisième. 50 000 euros maintenant, Camille, l'enchère est à 50 000. À 50 000 euros, l'enchère est à Camille. À 50 000 euros, l'enchère est à Camille, à droite à 50 000. À 50 000 euros, ici encore à 55 000. 55 000 maintenant. À 55 000 euros, c'est 60 Guillaume. 60 000 euros maintenant, Guillaume, l'enchère à 60 000. 65 000. À 65 000 euros, la l'enchère. À 65 000 euros, ici encore à 65 000. À 65 000 euros, la l'enchère. 65 000 euros, c'est Camille. 65 000 euros qui prend le relais. À 65 000 euros qui prend le relais, qui commence à 65 000. À 65 000 euros. 70, Laura. 70 000 euros, c'est Laura l'enchère. À 70 000 euros, bien vu. À 70 000 euros, Laura, votre enchère. 75, Marie. 80, Guillaume. Oui.
80 000 euros, Guillaume, l'enchère. À 80 000 euros, Guillaume, votre enchère à 80 000. À 80 000 euros, l'enchère. À 80 000 euros, Marie, surveillée. 80 000 euros pour l'enchère. À 80 000 euros, Guillaume, c'est votre enchère. De cette Pagua Enfield Zamindar, donc présentée par le Hara des Monceaux. Tout là-haut. Guillaume, votre enchère. 5. Ah, il est revenu. Marie, il est revenu. 85 000. 85 000 euros l'enchère, et là, Marie. À 85 000 euros, c'est Marie l'enchère. À 85 000 euros, pas de regret. 85 000 euros en bas l'enchère. 85 000 euros. En bas, ah, c'est Pierre Talvar qui dit non. Pierre Talvar lui aura du cadran. 80. Il est battu. 10 000. Laura. 90 000 euros, Laura l'enchère. À 90 000. À 90 000 euros, Laura l'enchère. À 90 000 euros, c'est Laura l'enchère. 100. 100 000, 100 000 euros, Marie, c'est vu. À 100 000 euros, Marie, cette fois-ci, c'est vu. Ah bah oui, à 100 000 euros, Marie, l'enchère. À 100 000 euros, c'est 100 000 euros, encore une nouvelle poulinière qui passe le cap des 100 000 euros. On aura beaucoup parlé de monnaie aujourd'hui. Vous. 110 000 euros par vous et contre vous. À 110 000 euros, 120 en bas, Marie. Allez, il reste 120 000 euros en bas, l'enchère. À 120 000 euros maintenant, l'enchère est en bas. À 120 000 euros, l'enchère est en bas, pas d'erreur. Toujours à 120 en 000 euros, c'est encore à 120 000. À 120 000 euros, c'est sur l'enchère. Downstairs. 120 000 euros, l'enchère est en bas. Plusieurs investisseurs. Hein, qui 125. Sont encore autour du ring. En 125, c'est jamais fini. À 125 000. Ils ont bien raison, c'est jamais fini. Jusqu'au dernier lot, on est là, on est prêt pour vous servir. À 125 000 euros, l'enchère est tout là-haut. Upstairs. À 125 000 euros, bien vu. À 125 000 euros, 130 000. Downstairs. 130 000 euros maintenant. À 130 000 euros. À 130 000 euros, l'enchère est en bas. À 130 000 euros, bien vu, l'enchère est là. À 130 000 euros, pas de regret. 135 000. 135 000 euros, c'est encore l'assistant d'Anthony Strauss qui met les enchères. 135 000 euros, bien vu, l'enchère est tout là-haut. Ils sont chauds, les Anglais, ils sont chauds. 140 en bas, downstairs, à 140 000. Alors, c'est Anthony Strauss contre. Upstairs, 145 000 euros l'enchère. À 145 000 euros, l'enchère est là-haut. À 145 000 euros, 150. 150 000. C'est Anthony Strauss contre Henri Bozo. 150 000 euros l'enchère en bas maintenant. Henri Bozo de l'écurie des Monceaux. Downstairs à 150 000 euros. Down à 150 000 euros. Not you, sir. 150,000 is against you. À 150 000 euros, je vais devoir la juger. En bas, bien vu, fini. Last time, last call. On a le juge. Suprina Méridiane, merci. 150 000 euros. Marie, votre enchère en bas. Suprina ou Méridiane qui a acheté ou l'association et de Suprina, c'est Patricia Boutin qui achète pour soit pour le baron Edouard de Rothschild, soit pour Lady O'Reilly. Excellent Excel. Et ben c'est ni Suprina. Excellent Excel. Bonne polée chez Sud. Excusez-moi, il tape de tout. Troisième du Yacolé. Là, c'est ni Suprina, ni Méridiane International. C'est Henri Bozo qui signe le bon et écurie des Monceaux. Pour cette polée qui se déplace bien. Dynamique. Allons-y. 20 000 euros. Il dit pour là, 20 000. Mettez l'enchère à 20 000. Vous voulez 20 000. 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. L'enchère à 20 000. 20 000 euros. Vous voulez 20 000. 20 000 euros. À 20 000. Un foul. Un foul par Exceed en Excel. C'est même 20 000, une foule. C'est une femelle. En Excel. 10 000. Oui. À 10 000 la mère est par Allard. 10 000 enchères après à 10 000. À 10 000 euros. C'est et la grand-mère par Caldoun. Alors Bernard, 15 000. 20 000. 20 000 Laura. L'enchère à 20 000. À 20 000 euros. Laura. À 20 000 Privo Lava. La mère de cette foule qui est née très tôt dans la saison le 23 janvier. Votre enchère à 25 000. 25 000, à 25 000 euros, c'est contre. En France d'ailleurs. 30 000, merci Dominique, à 30 000, à 30 000 euros. Je crois que c'est Tom Goff qui est juste devant moi, qui met les enchères. À 35 000 euros, l'on se dit 35 000 euros, à 35 000, à 35 000 euros, mais oui, 40 000, 40 000 euros contre vous, à 40 000, à 40 000 euros, l'enchère est à Laura, à 40 000, à 40 000, à 40 000, on the left side now. Alors je voulais dire tout à l'heure que Privalova, la mère de cette fille d'Exil NXL, s'était placée pour ses débuts dans le prix Yakovlev, ici même à Deauville. C'est une liste pour débutants, le Yakovlev. 45 000 euros, l'enchère est à droite, à 45 000 Bernard, à 45 000 euros Bernard l'enchère, à 45 000 euros ici encore, à 45 000, à 45 000 50, 45 000 c'est Bernard, à 45 000 euros encore. Et que Privalova est une sorte de spécial Caldoun. Dominique. Spécial Caldoun qui fait bien sûr la monte à 50 000, 50 000 au Hara du Brême depuis cette année, puisqu'il a été acheté au Hara Nationaux l'an dernier, en novembre dernier même. À 55 000 euros, c'est encore Bernard, c'est votre enchère. À 55 000 euros l'enchère. 60, sir.
à 55 000 euros, bid 60, voulez-vous 60? Présenté par... Je suis en Longchère, direct. À 55 000 euros, bienvenue, nous comme vendons à Bernard Longchère à 55 000 euros. 55 000 euros, c'est la Longchère. 60 000. 60 000 euros maintenant, l'enchère à 60 000 au téléphone. À 60 000 euros. À 60 000 euros, c'est contre Bernard. À 60 000 euros, c'est Dominique Longchère. Il y a quelqu'un dans le couloir encore. L'enchère est là. 60 000, it's here, the bid. À 60 000 euros, merci Bernard, c'est plus vous. Last time, against the sir, ici l'enchère, à 60 000 euros. Jean-Jacques au restaurant, now. Comment bien ça va fini. Ah oui, je continue. Et encore, et encore, et encore. Thank you. Votre enchère, 60 000. Est en train de... Dominique. De parler le numéro, entre... Le numéro 238 oui, est alors, présenté par Darley, Irradiance, une belle bête de 3 Goff. Ans, par Ravenspace et Pure Illusion. Irradiance s'est classée deuxième à Saint-Cloud depuis la parution. Elle est vendue... Ara d'Ombreville, c'était le Ara d'Ombreville qui présentait ce lot, 237. Et elle a un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante. Cette fille de Ravenspass, gagnante, issue d'une mère gagnante également. On n'en a pas vu beaucoup des Ravenspass de pour l'instant. Donc Chrysanthemum, donc famille de Carrie Street, de Elecom Minister. Et on débute à combien pour cette fille de Ravenspass? 5 000 euros. 5 000 euros, mettez-moi en chair à 5 000, allons-y, votez-vous 5 000. Présenté par Darley, donc l'entité d'élevage de Cheikh Mohamed Amatoum. Une femelle de 3 ans qui est gagnante à deux reprises à Moulins et monde de Marsan également. À 7 000 euros, mettez-moi en chair à 7 000 euros, Marie, votre enchère. Elle est par Daniel. Pure Illusion, elle est née en 2003. Elle est gagnante et elle aussi à deux reprises. Et ce lot 238, l'avant-dernier lot déjà de cette première journée de vente. À 15 000 euros, ici, 17 000. À 17 000 euros maintenant. Sur le 238, s'appelle Irradiance. Irradiance, c'est une. C'est une cousine de Chrysanthemum. Chrysanthemum est une double lurette de groupe 3. À 22 000 euros, ici encore 22 000. À 22 000 euros, une bonne jument ici à 22 000. À 25 000. 25 000 euros, tout au fond du passage par vous, Camille. À 25 000 euros. À 25 000 euros maintenant, c'est Camille, tout au fond du passage. À 25 000 euros. Et je sens que de mémoire, Chrysanthemum, c'est elle qui a donné naissance à un des tout premiers produits de Frankel. Cette année, c'était à Coolmore. À 27 000 euros, bien vu l'enchère, à Guillaume, et c'est fini, Camille. Parce que les premiers Frankel à 27 000 euros, sont faux. À 27 000 euros, c'est Guillaume l'enchère à gauche. Et David Redvers qui est encore là, encore qui est autour du ring. Bien vu l'enchère. Qui a acheté un des tops du jour. À 27 000 euros, on va pouvoir le juger à Guillaume l'enchère à gauche, pas d'erreur, bien vu. À 27 000 euros, 30 000 Bernard. Eh bien, dis donc, il était temps. 30 000 euros Bernard. 30 000 euros maintenant Bernard l'enchère. À 30 000 euros Bernard, c'est votre enchère à 30 000. À 30 000 euros, alors Guillaume, que fait-on? À 30 000 euros. À 30 000 euros Bernard l'enchère. À 30 000 euros, c'est Bernard l'enchère, bien vu. 32. 31. 31 000 euros Guillaume. 31 000 euros Guillaume. Alors Bernard, une seule enchère? 31 000 euros, 31 000 euros, c'est Guillaume. À 31 000 euros à gauche en chair, à 31 000 euros, bid 32, 32, yes, no. Bernard, c'est fini? À 31 000 euros, last time, last call, Guillaume l'enchère, on a de juge. Guillaume, 31 000, merci. Le numéro 239 est présenté par l'entraînement Nicolas Clément, Like Me, une femelle bête de 3 ans, par Duke of Marmalade et Queen of Tara. Like Me s'est classée deuxième du prix de la forêt de Carnel à Chantilly depuis la parution. Elle est en valeur 35,5, rating 78, et elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Elle est gagnante, elle est gagnante, et la mère est par Saddles West. Belle pouliche avec un bon travers ici, bons aplombs. Famille de Hemingway, Second Empire, Salsa Bill, Margeux, bonne vieille souche maternelle ici, Dan Hill. Mère Saddles West, dernier numéro de ce soir, et on débute à combien? Eh oui, 20 000, c'est fini. 10 000 euros. Enfin, dans un instant. Demain, ça va recommencer à 10h. C'est le dernier numéro de cette première journée de vente d'élevage 2014 à Arcana que vous avez pu apprécier, je l'espère, et suivre sur Francir TV. Il suffit de Duke of Marmalade. Duke of Marmalade, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est parti étalon désormais en Afrique du Sud, à Drakenstein Stud.
Ah, ben à 25 000, à 25 000 euros Guillaume, à 25 000 euros Guillaume, votre Drake cher, 25 000 euros l'enchère à Guillaume, à 25 000, 30 000, à 30 000 euros Bernard. Il avait commencé à faire la monte à Coupe Morsed en Irlande, très cher la série, je crois, 40 000 euros. À 30 000 euros l'enchère, à 30 000 euros Bernard, de groupe 1. À 30 000 euros Guillaume, vous êtes battu. Alors ce dernier lot, nous l'abandonnons, à 30 000 euros fini Guillaume, à 30 000. Elle s'appelle Like Me, elle a gagné cette année à la test. Elle a âgée de 3 ans, elle est une sœur de Marmar. Marmar est une fille d'Invincible Spirit. 35 000 euros Bernard, votre enchère. À 35 000 euros l'enchère. À 35 000. Et toutes les deux sont des Bernard, votre enchère. À 35 000. Des secondes empire. Bernard, l'enchère. À 35 000. À 35 000 euros, c'est choisi, c'est fini. À 35 000 euros, Guillaume, c'est fini. À 35 000 euros, pas d'erreur. À 35 000 c'est la famille de Salsabil. Bernard, celle de Marjou également. À droite, bien vu, fini. À 35 000 euros. On va finir sur. On a de juge. Bernard, merci, c'est votre enchère. Sur une enchère de 35 000 euros, donc. Et c'est ainsi que s'achève la première journée des ventes Arcana Élevage 2014. Alors demain matin, nous reprendrons l'enchère ici même à 10h. J'espère que je serai là. J'espère que je serai pas mort dans la nuit et que je n'aurai pas été victime d'un. Je suis quasiment sûr que nous devons faire un serial killer. Un serial killer. Pourquoi pas? Bah en attendant, Arnaud et Lise sont déjà en train de préparer l'Arcana Review qui sera disponible et sur le site d'Arcana et sur le site de Francir dès ce soir. Elle sera publiée ce soir, tandis que moi je vais rendre l'antenne tout simplement, aller préparer le bilan et puis après bah, je propose à tous mes collègues et à toutes mes connaissances d'aller se sustenter confortablement chez Hervé, notre partenaire santé, de danser tout au bout de la nuit, voilà, jusqu'au bout de la nuit plutôt. Ciao, demain 10h. J'allais mettre Magnum, mais ça veut pas. Pourquoi pas, mais bon. À demain matin, 10h, ciao.